prend nul lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be come back? Ouais, il me l'a mis. Il est au couloir. If you remain in this zone, you will be detected by hostile. Your location has been... Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir avant, personne. Opi a donné 1€. Merci mec, pour pouvoir m'acheter bah, rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à mon gosse et que pourtant je j'ai jamais été imposteur. Faire une voiture à des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote Dark 6 PS4, il avait fait un kill l'autre fois avec une putain de WhatsApp avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de. Jamais été imposteur, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a les contacts. Faut que tu fasses le tour, faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh il a, non il a vraiment claqué. Non, non. Oh tu m'as troll, oh tu m'as troll, fiscal. Allez relax, on est les malades, on est les animaniacs. Joue pas trop avec moi mec. La grosse coccinelle, hein? Ou la gratouille? Oui, 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 allez, ferme ta gueule. Ah, bon coucou. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, ah non. Quand je veux les points, je pense que je vais en payer. Oh! Double citadelle! Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui petit cul. Oui 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 petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de L de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Thank you.
Hey, bonjour tout le monde, comment ça va sur le campus de la Solty Academy? Hein? Oh, mais non, putain, j'ai sursauté. Oh, j'aime bien. J'aime tellement, après toute parfois l'agressivité qu'on peut se prendre dans des putains de commentaires sur YouTube, sur Twitch, dans le chat, avec des petits mots là. J'aime tellement vous faire chier parfois, vous péter les oreilles. Oh, ça me fait. C'est un kiff absolu. Allez, rentrez. Enfin, pas tous. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien sur le campus de cette Solty Academy. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, c'est jour de match. Hein. Ouais. Attends, je parle jamais de foot. Vas-y, qu'est-ce qui se passe là? Viens là, toi. Oh! Regardez ses muscles un peu. Oh! Yeah, motherfucker! Yeah. Voilà. J'espère que ça va en tout cas. Allez, je lâche mon sub. Bah vas-y, Arbolis, c'est parti, tu seras le premier. Non, pas du tout, il y avait déjà e-technique qui a payé depuis 9 mois sur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Comme un bon petit étudiant qui se respecte, et ça, ça fait plaisir. Merci aussi à Wefer7 pour ses 9 mois de frais de scolarité payés au sein du campus et qui nous dit... Bonsoir, monsieur le proviseur, je ne savais pas que vous étiez un footix kappa. Ouais, non. Non, comme je disais, la Champions League, les clubs, les machins, les trucs, je ne suis pas, ok? Mais, championnat du monde, enfin, Coupe du Monde et l'Euro, ouais, je suis, ouais. Bon, modérément, je ne vais pas regarder tous les matchs et tout, franchement, voilà, quoi. Mais bon, c'est la France qui joue, quoi. C'est la France qui joue contre l'Allemagne. Et figurez-vous que, comment est-ce que je me suis préparé à cette rencontre aujourd'hui? Eh bien, j'ai vu un très bon documentaire sur Netflix qui s'appelle... World War II Colored Documentary. Donc en fait c'est un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Et en couleur du coup. Donc c'était un peu pour tu vois, pour me mettre bien dans l'ambiance quand même. Oh si, l'idée c'est quand même de se rappeler un petit peu que vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà quoi. France 3, 0 Allemagne. Combien le pronostic? Envoyez les pronostics. Hein, vas-y. T'es un footix en fait. Mais non, je suis pas un footix, sérieusement. Je ne suis pas un footix, sérieusement. Regardez, est-ce que j'ai mis une perruque avec bleu, blanc, rouge? Non, ok. Est-ce que j'ai mis un maillot bleu? Non, j'ai même pas le maillot d'équipe de France, sérieusement. Je dois avoir 4-5 maillots. J'ai jamais eu le maillot de l'équipe de France. Merci évidemment, Eita Mulet. 5 mois de France scolarité. Merci, cher seigneur du FPS, de nous accueillir dans ce magnifique campus. Ah, ça fait plaisir. Merci évidemment, Eita Mulet, pour les 5 mois de France scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Merci infiniment, poulet. Un monstre, vraiment. 2-0 pour la France. 2-1 pour la France. Je n'ai pas de TV couleur. Je suis sûr, t'as le Marcel bleu, blanc, rouge. Non, sérieusement. Je suis... Après, c'est bleu. C'est bleu, mais avec la caméra, on voit pas. Mais voilà. Après, j'ai un pantalon... J'ai un short bleu. Je fais gaffe, à chaque fois c'est dégueulasse. Mon short est bleu avec du blanc. Bleu, blanc, ok? Mais c'est tout, ok? Y a rien d'extravagant, ok? Après, j'ai un slip. J'ai un petit string sympa bleu, blanc, rouge. Un petit truc ficelle. Je vais vous le faire voir si vous voulez. N'hésitez pas. Et voilà comment on perd 20% de ses viewership. Hein, voilà. 3-1 pour la France, ok. Manque le rouge, oui bravo, merci Razer. Il y a du bleu, il y a du blanc, manque le rouge, ok. Bonjour proviseur, que pensez-vous de Lemnis Gate? Le concept FPS multijoueur stratégique en tour par tour. Concept qui me hype. What? Lemnis Gate? Victor Lova? Vas-y, c'est quoi ce truc? Attends, je vais regarder. Tu as titillé. You had my curiosity. Now you have my attention, right? Je vais regarder ça. C'est dans quoi ça? C'est dans quoi? Parce que les... moi je regarde des films en VF, bouffon. Non, c'est dans quoi ça? Ok, attendez, bougez pas. Où est-ce que c'est? Lemnis Gate, gameplay FR. Oh non, mais attends, mais j'ai vu des... Attends, bouge pas. Je vais voir si on le regarde ou pas. IGN, il y a 9 mois, quand même. Ok, attends, on va regarder ça. Tu peux le mettre dans le bureau, poulet, ou pas? Bureau. Aïe. Ok, Lemnis Gate. A turn-based strategy shooter.
Oh là, il y a déjà trop de... Oula, déjà pour moi, il y a un peu trop de plasma, plasma électrique, tu vois ce que je veux dire ? Halo, halo like, quoi. Oula. Ouais. Oula. Ouais. 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 Et ils se battent toujours au même endroit de la map ou comment ça se passe? Merci pour les 1€ Paycop. T'es un monstre là. Ouais. Yes. Ah, quand même. Ok. Ouais. 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 Ok. Non, c'est de la merde. Allez, salut. Ils ont pas bien mis en avant leur, leur truc là. Le tour par tour n'est pas assez mis en avant. J'ai l'impression de revoir un vieux Unreal Tournament. Voilà quoi. Toujours un plaisir de réviser le bac avec le fond sonore de 6-4. Le seul fond sonore que tu dois réviser ou que tu dois avoir, c'est du Lofi. Ok. Tu vas sur Spotify, tu tapes Lofi, L-O-W, après plus loin Fi, et tu verras, c'est une petite musique qui te permet au moins de te concentrer et de garder le focus sur le machin. Ce n'est pas possible, je ne sais pas comment vous faites, certains, pour avoir une distraction de type stream et... dès que tu lances... Merci lui en Pecos pour les 2€, t'es un monstre poulet. J'ai pas pu me sub, t'inquiète, y'a pas de problème. Et merci pour les 2€. Bah dès que tu lances, je parle à Mary parce que voilà. Donc je ne sais plus ce que je disais, mais ça avait l'air intéressant. Merci Duff 1111111 pour les 21 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Il est toujours là. C'est marrant de revoir des pseudos qu'on connaît depuis quelques mois maintenant. À chaque fois, ça me fait extrêmement rigoler. Voilà quoi. Salut à tous. Il sort quand le jeu de Ubisoft où t'es en roller et tu joues avec une sorte de balle. Désolé, je ne me souviens plus du nom. Le... Oui! Rainbow Six Extraction. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu du roller et t'as un peu une balle. Voilà, Roller Champion. Ouais, c'est ça. J'en ai aucune idée. Ça avait l'air bien ou pas? Sur YouTube, une vidéo Lofi depuis 2020 est lancée, 34 viewers constants, 6-4. Laisse-moi deviner Théo Van Roy. D'ailleurs, j'ai une petite blague par rapport à ça. Merci Pecos pour les 3€, t'es un monstre. Merci Zeds TV, nouvel étudiant du campus. Laisse-moi deviner, le truc Lofi dont tu parles sur YouTube, l'animation, c'est une espèce de manga d'une demoiselle avec un gilet vert devant une fenêtre en train de travailler. Dis-moi, parce que j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Exactement, t'inquiète, on la connaît. C'est comme ça que j'ai découvert le Lofi. Et il faut savoir que le petit truc drôle, c'est justement que ça me fait penser à un truc très, très, très... Au Six Invitational 2020, je m'étais foutu de la tronche de Pengu justement parce qu'il écoutait ça avant ses matchs, en fait. Et je lui dis, tu sais que l'année dernière... Enfin, donc c'était 2020, il y a 3 ans, juste avant de lancer mes games et avant de partir, en prac, enfin, pas en prac, mais en match de Pro League, j'écoutais la même chose. Et je lui disais, mec, on écoute tous les deux la même chaîne YouTube. Ouais, Lofi, ouais, c'est ça. L-O-W, plus loin, fi. Ouais, c'est la petite musique chill, quoi. Voilà. Ça se passe à Lyon. De quoi? Bonjour, le campus. Salut tous. Le même problème que moi, on est 30 FPS sur R6 sur PS4 au lieu de 60.
j'en ai pas la moindre idée. Et merci infiniment, SourCroc76. non, j'essaie de lire quand même. Merci infiniment pour les 5€ de don, poulet. T'es un monstre. Et bonjour à toi, du coup, SourCroc76. Merci infiniment. Vraiment, ça me touche énormément. Le paysage qu'on voit par la fenêtre, ce serait un endroit à Lyon. Avec la pluie et tout. Ok. Ah, c'est drôle ça. Ça, je savais pas pour le coup. 6-4, as-tu entendu parler du cross-platform console? Apparemment, ce serait annoncé en début 2022, ce qui est vraiment long, je trouve, pour une chose que les joueurs console réclament depuis un moment. Les joueurs console réclament le cross-platform depuis longtemps. Les joueurs console réclament... Je vais refaire ma phrase. De venir se faire défoncer la rondelle par des joueurs PC depuis longtemps sur Rainbow Six. Oh, je suis pas sûr. Hein. À la limite, cross-platform, mais ce qui est idyllique. Mais entre les consoles, ouais, ce serait bien. Ouais, ce serait vraiment bien. Ouais, pour vous, Xbox, PS4, PS5, machin quoi. Non, PS4, Xbox, ah ok. D'ailleurs, le cross-platform dont ils ont parlé, ça concerne PC ou pas du tout? Ou c'est que entre consoles? J'ai pas suivi, moi, le truc, quoi, d'Ubisoft. Cross-save, ça, c'est... Ouais, cross-progression, ça s'appelle, je crois. C'est même ridicule que ça n'existe pas depuis 5 ans, quoi. Voilà. Je n'utiliserai que des onomatopées. Et du coup, ça en fait 1, 2, 3... Ouais, ça en fait un sacré paquet, là. Il y a PC X Stadia. Ok. C'est uniquement entre consoles qui arrivent en 2022. Ah, ok, makes sense. Bon, c'est logique en même temps, du coup. Voilà, donc console PC, ça n'arrivera jamais. C'est pas possible de toute façon. Ça n'a aucun sens. Entre PC et plateforme de location de machine gaming. Ah oui, Stadia, ok. Stadia, ça marche ou pas hein? Attends, Stadia, c'est Google et Luna, c'est Amazon, c'est ça, non? Je sais pas si ça prend ça. Tous ces trucs de cloud gaming, machin, truc bidule, je sais pas. Non. D'ailleurs, c'est pareil, comment il s'appelle l'entreprise, la Shadow, non? Ça marche ou pas, ça? Non, c'est tombé à l'eau, non? 6-6-4, malheureusement, console PC, fin 2022, c'est nul, mais voilà. Ah, ok. Ok, enfin ouais, bon. Eh, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que c'est annoncé que ça va sortir. Hein. On verra bien. Toi, tu voudrais PC et console, Six? Bah ouais, moi j'aimerais bien que les joueurs console viennent jouer sur PC. Ça donnerait de la comment dirais-je comment je pourrais le dire sans passer pour un connard condescendant de la viande fraîche. Nous ça nous donnerait de la viande fraîche en fait. Tu sais, des petits agneaux qui arrivent, tu vois, qui arrivent et qui se font bouffer en fait. Ah, ce serait génial. On les dégoûterait du jeu. Ah si, on passerait un bon moment. Ouais, mais c'est pas du... Ouais, mais ta gueule. De toute façon, il peut pas te répondre, il a la manette. Hein? Il va pas écrire dans le chat. J'adore vous trigger. Ça donnerait des points gratuits. Ouais, des petits free points, quoi. Ça serait cool, quoi. En vrai, j'avoue, les joueurs console pourraient s'améliorer en vérité. Ouais, non, mais ça a aucun intérêt. À moins que les joueurs clavier... J'en avais déjà parlé il y a tellement longtemps, il y a 2 ans et 1 an et demi. Si on pouvait reconnaître les devices sur les consoles, ça, ce serait bien. Il faut que les joueurs soient reconnus par rapport à leur device, quoi. Et encore, on pourrait pas parler du hertz, des écrans, des trucs, des machins, mais bon. Clavier souris sur console égale tu peux venir jouer contre les gens qui sont sur PC. Voilà, tout simplement. Et même si ça ne doit pas exister énormément, les gens, mais il doit y en avoir quand même, je pense, des gens qui veulent jouer manette sur PC devraient jouer avec les joueurs console sur manette. Voilà, tout simplement. Ça, ce serait bien. Mais à mettre en place d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué, voire totalement impossible, je pense. Puisque la plupart du temps, les claviers souris, là, ça utilise des émulateurs et tout. Donc, même la console, elle croit que c'est une manette. Elle croit pas que c'est un clavier souris. On n'est pas obligé de mettre l'option cross-platform, normalement, non? Bah, ça, c'est dans le code, à la limite. Donc, s'ils reproduisent le schéma d'un code, bah, ça sera comme ça, ouais. Autrement, je sais pas, quoi. D'accord, x1000 avec toi, 6-4. On a déjà parlé. Ouais, absolument, ouais. Warzone le fait. Ouais, Warzone, code. Ouais. Warzone, tu dois avoir une manette pour jouer contre les joueurs console. Ah ouais? Ok. Le crossplay va être cassé surtout sur ce jeu. Ouais, on verra bien. C'est pas ce que j'attends. Voilà quoi. Honnêtement. Honnêtement, sans parler de mode, etc. Le truc que j'attendrais le plus, le truc qui me hyperait le plus pour un retour possible de Rainbow Six sur le devant de la scène, ce serait, dans l'ordre,
c'est important, dans l'ordre. Un excellent anti-cheat, un vraiment excellent anti-cheat, et derrière le free-to-play, voilà. Non, vraiment, je milite pour le free-to-play, mais ça ne passe pas. Il faut absolument un gros anti-cheat avant. Merci infiniment, SoCroc, pour le fait d'avoir offert la possibilité à Dioptaisy de payer depuis 10 mois ses droits de scolarité. Et merci aussi pour les 5 euros, Thermos Poulet. Vraiment. Halo The Master Collection sur PC est pareil avec le crossplay, c'est bien foutu. Ok. Il y aura aussi la possibilité de transférer le contenu d'un compte console à un compte PC. Non, mais ça, c'est cross-progression et ça, c'est indispensable pour le coup, quoi. Bon, qui va regarder le match de foot de ce soir? Mais ça reste compliqué si un mec sur PC a 200 FPS à la manette et un mec sur console 60. Ah bah ça c'est clair, ça prendra pas en considération ce genre d'élément. Maintenant, si tu veux partir dans ce genre de considération, bah dans ce cas-là c'est les mêmes problématiques et l'hétérogénéité des rigs, si je puis dire, sur PC déjà. Nous c'est déjà une problématique. Sur PC à l'heure actuelle il y a des joueurs, ils ont pas des PC de ouf quoi, et ils font juste tourner Rainbow Six, voilà, et puis pas un écran 144Hz machin, tu vois. Donc c'est déjà pareil, il y a une grande hétérogénéité quoi. Il y a déjà une grande injustice même au final, entre les personnes qui peuvent avoir du 240, 360, 144 et ceux qui triment avec leurs 40 FPS et dès qu'il y a une explosion de thermite, c'est bon quoi, ça passe en image en image saccadée. T'sais. Le foot, c'est quoi? Je connais que la Salty Academy. Ah, ça me fait extrêmement plaisir. Dommage qu'on puisse pas le suivre. Non, mais j'ai vu qu'il y avait un truc avec Bruce Granek. Ouais, je suis sûr qu'il va se placer, lui. Il va arriver à la télé, quoi. Il va remplacer Lizarazu. Mais ce serait bien sur console, c'est autoriser les CS. Parce qu'il y a trop de joueurs avec leur adaptateur, donc ça changerait rien de l'autoriser. Bah, il faudrait l'autoriser, mais il faudrait que la console puisse reconnaître, en fait. Voilà, c'est tout, quoi. Puisse faire la différence, quoi. En fait, il faudrait que les consoles mettent en avant des claviers et souris officiels, quoi. Et fasse la guerre au clavier souris non officiel, ok. Mais ça, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que plus ils mettent en avant, même si c'est déjà le cas, plus ils mettent en avant des claviers souris officiels, plus en fait ils ne font envoyer le, ils envoient le message que leurs consoles ne sont plus des systèmes fermés. C'est un mini PC quoi. Plus ils vont vers le PC, plus ils transforment en fait leur machine vers le PC. Et plus du coup, en fait, les gens vont considérer que les consoles ne sont qu'une espèce de tremplin avant de passer au PC, quoi. Je sais pas comment dirais-je. Enfin, je sais pas comment dirais-je. Pardon, j'ai pas beaucoup dormi. Je sais pas comment dire. Je sais pas. C'est un peu comme les Duplo et les Lego, quoi. Voilà. Si ça se ressemble trop, les gens vont se dire « Ouais, quitte à faire des Duplo, autant faire des Lego. Hein, » c'est l'évolution, quoi, en gros. Et plus ça va se ressembler, et plus il va y avoir ce genre de truc-là, et les gens vont se dire « Merde ». C'est pour ça qu'ils sont obligés... Enfin, je pense pas qu'ils aient un grand intérêt à mettre trop en avant des trucs qui ressemblent au PC. Et ils ont forcément un grand intérêt aussi à rester en système fermé. Et ils ont un grand intérêt à gérer des exclusivités, à garder les joueurs sur leurs produits. C'est tout, quoi. Je suis le seul à trouver que les FPS sur PS4 ont baissé. Ont baissé en quoi ? Après la PS4, vous parlez tous de la PS4, ok, bon c'est la machine la plus vendue, etc, machin truc. Mais bon, je trouve ça parfois un peu paradoxal, indépendamment du côté financier. Ok, mettons de côté le côté financier, qui est un élément extrêmement important. Je trouve ça un peu paradoxal que certains jeunes d'entre vous, vraiment pas beaucoup dormi, puissent parfois parler de boomer pour certaines personnes qui sont plus âgées qu'elles et qui nous parlent encore de la PS4, les mecs. La PS4, faut se mettre à jour, quoi. Je veux dire, je veux bien qu'on se foute de ma gueule parce que j'ai une page Facebook, ok. Mais vous êtes sur PS4, quoi, ok. Alors, me dites pas, indépendamment, donc, du coup, du côté financier et de la pénurie de PS5. Mais il y a des gens qui, même s'ils avaient les thunes et machin, veulent rester sur PS4, quoi. Voilà, c'est important de se rappeler de ça. Donc, c'est assez paradoxal, je trouve, que certains jeunes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans nous fasse chier encore avec la PS4, avec les qualités graphiques de la PS4 qui forcément n'est pas... est en bout de vie. Elle, c'est une console boumeuse. Voilà. Et c'est tout. Non, mais c'est marrant. Ça tacle à la gorge. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, pour le coup. Il y avait un message à faire passer. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. À chaque fois, je m'en prends dans les gueules tous les jours, là. Et boomer, machin. Ouais, ok, d'accord. Mais mec, t'es sur PS4, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut level up, quand même. Hein, voilà. T'imagines si je vous disais que je suis sur Windows 98? Ouais, non, mais c'est parce que Windows 98, c'est vraiment bien, quand même. Non, en fait. Hein, level up, quoi. Ouais, il est énervé 6-4 aujourd'hui. Non, j'ai pas assez dormi, ok. Ce soir, c'est France-Allemagne. C'est pas de l'énervement, c'est de l'excitation, ok. J'arrive, je lance. Ça, c'est Mary.
Il est où? Il est où Mary Poppins là? Allez, je vais me mettre là au cas où s'il veut. Voilà quoi. Ton micro est coupé. Ouais. MDR, on aimerait bien évoluer. Oui, on aimerait bien évoluer. Ça veut dire donc du coup que tu as le désir de le faire et que tu le ferais. Et donc que c'est des problèmes, c'est des problématiques qui font que tu ne peux pas évoluer. Genre, 1, pénurie. 2, financier. Mais si vous écoutez pas ma phrase, où j'ai dit en préambule de ma phrase à un portal de merde que, eh bien, indépendamment, j'ai commencé ma phrase par des considérations financières et ou de pénurie, je l'ai bien dit dans ma phrase, vous faites pas chier. Casser les couilles, putain, merde. Ouais, j'aimerais bien. Je viens de le dire. Il fait chaud. Jean-Marie. Jeanne. Ok. Tu penses que les téléphones vont un jour concurrencer les PC ou les consoles? En quoi? Concurrencer comment, poulet? Ils les concurrencent déjà, ok. Depuis 5 ans, l'industrie du jeu vidéo mobile... en termes de part de marché, est plus importante que console et PC et tout, en fait. Voilà, quoi. C'est tout. Hein, l'industrie du jeu vidéo mobile. Parce que, bon, le truc, après, c'est que vous, vous allez vous dire « Ouais, bah attends, mais je comprends pas, comment ça se fait ?» Bon, bah déjà, demandez à vos darons qui ont claqué 1000 euros sur Candy Crush. Il y a peut-être un lien de causalité. On, pas du tout dans le cliché. Ah, mais voilà. Et surtout, il y a pas mal de pays en voie de développement où, en fait, l'accès à la 4G et peut-être à la 5G se fera avant l'accès à toute connexion de type filaire, quoi. Moi, c'est une problématique sur laquelle j'ai travaillé, et en particulier sur le continent africain, par exemple, où les accès à la 4G sont très répandus. L'Inde aussi, c'est pareil. Enfin, beaucoup de pays dits anciennement émergents, quoi. Le Brésil aussi, par exemple, c'est pareil, même si c'est pas un pays émergent, pour le coup. Et du coup, c'est plus facile pour eux d'avoir des téléphones portables, donc des devices tout prêts qui permettent d'aller de jouer instantanément et dans des bonnes considérations que des consoles qui nécessitent un écran, un machin, un truc, quoi. Voilà. Donc, ouais, le jeu vidéo mobile et en particulier carry par certains pays d'Asie, par certains pays du Latam. Enfin, ouais, par certains pays du Latam et par une bonne partie du continent africain, eh bien, prend des parts de marché qui sont assez insane, en fait. Bien aidé aussi par la Chine qui investit massivement dans la téléphonie sur le continent africain. Voilà. En Inde et en Chine, l'e-sport sur téléphone prend une part de marché énorme par rapport au reste. Alors, la Chine, je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas, en fait. Ça ne m'étonne pas. Mais c'est bien aidé par le fait que les infrastructures 4G... voilà. Mais même en France, on est pareil. Je pense que le taux de couverture 4G et donc du coup, de facto, la possibilité d'avoir dans le futur un taux d'équipement et un taux de couverture 5G sera supérieur au taux de couverture filaire et en particulier fibré, je pense. Voilà quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en train, par exemple, de dire dans leur campagne profonde « Putain, quand est-ce que j'ai la fibre ?» Et il y a plus de chances qu'un jour, ils aient la 5G avec une connexion de ouf que la fibre. Voilà, c'est tout. Donc, si c'est valable dans les campagnes françaises, c'est aussi valable, quand j'habitais au Bénin en Afrique, j'avais la 4G tranquille. Ouais, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça que moi je bossais avec MTN, qui est l'équivalent de. Enfin, c'est un énorme truc, vous regardez sur internet. Voilà, qui fait ça. Et c'est vrai que leur taux de couverture en 4G sur l'intégralité, enfin, sur une bonne partie du continent africain, pas tous les pays, bien évidemment. Est bien supérieur à leur téléphone filaire, quoi. Voilà. Nous, en fait, c'est que historiquement, on avait quand même pas mal de lignes téléphoniques, en fait. Hein, donc forcément, c'était pas trop dur de les remplacer par d'autres câbles, en gros. Même si la plupart du temps, les fibres, c'est quand même c'est quand même enterré, quoi. Pas facile de balancer des satellites, plus facile de balancer des satellites que de poser des pylônes et des fils. Alors, mais le satellite, c'est quand même pas extrêmement fiable, quoi. Ça a existé pendant... Ça fait 20 ans que ça existe, hein, le Internet via satellite. Hein. Voilà. Non, c'est vraiment réseau 4G, quoi. Vraiment réseau 4G. Les antennes, etc., c'est pas si cher que ça, au final. Voilà. La fibre fiable à 200% ou pas? Comment ça, fiable à 200%? Bah, non. Comment ça, fiable? Il n'y a rien qui est fiable à 200%. Il n'y a rien qui est fiable à 100%, en fait. C'est pas possible, ça. Voilà.
J'avais MTN et Move aussi. Ah, ça me rappelle les souvenirs. Bah, MTN, j'ai organisé une compétition e-sport sur mobile pour, pour Asphalt en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour la première Comic-Con d'Afrique du Sud. Voilà, avec MTN. Bah, vous l'avez, je pense que j'avais mis des petites photos sur Instagram avec la Lamborghini et tout. On s'était bien amusé. On avait un joli budget. C'était sur un circuit. Voilà. Six est tellement vieux, quand il parle de son enfance, il dit historiquement. Et ta mère, elle a connu les dinosaures, mon gars. Allez vous faire foutre. Pour Code Mobile, au-delà d'être bon, il faut du courage aussi pour y jouer. Ouais, putain, j'ai jamais joué à Code Mobile. En revanche, Brawl Stars, j'aimais beaucoup. Et Clash Royale aussi. Vraiment, vraiment. Clash Royale. Ouais, vraiment très très bien. 2 heures de call. Sa date de naissance est dans un livre d'histoire. Bah oui, c'est normal, c'est une date. Non, c'est ridicule. Ok, bah va te faire foutre. Allez, merde. Vas-y, je suis fatigué. Je vais dire de la merde aujourd'hui, je le sens. Voilà, ça sent le ban. Pas Clash of Clans. Non, jamais joué à Clash of Clans. J'aime pas trop les trucs comme ça, là. Voilà, quoi. Tu penses quoi du patch de Mélusie? C'est bien, très bien. Voilà, y a pas grand-chose à dire. C'est très très bien. Va te détendre en jouant. à Rainbow Six, loul. Est-ce que je peux me faire temp ban SVP? Ok, le sadomasochisme sur Twitch, voilà, quoi. Genre, elle va jamais cracher la fibre, ou si. Mais comment ça, cracher la fibre? Qu'est-ce que... C'est un fil. Tu vois ce que je veux dire? Tu coupes le fil, il peut y avoir des problèmes, quoi. Il peut y avoir des soucis, hein. Le fait d'être plus proche de la fin que du début, c'est quelque chose qui fait peur. Oh, le fils de pute. Écoutez, j'ai 27 ans. Je me sens beaucoup plus proche du début que de la fin. Voilà, ok. Ok, voilà. Donc voilà, ok. Donc, merde. Merci The Jumper pour les 5€ de don et qui me sauve de cette impasse. Hello Mister le proviseur, comment se passe votre journée? Du coup pour mon teach me hélico sur Battlefield Kappa, vous demandez combien? Sachant que je préfère jouer Lourin et bien sûr par le Red Dot l'hélico Kappa. Merci The Jumper pour les 5€ de don. Ouais, je ferai des teach me, c'est sûr. Je ferai des teach me pilotage d'hélicoptère, quoi. Ça remonte à tellement loin les hélicoptères et moi sur Battlefield, putain la vache. Désert de combat, quoi. Oui, 27 ans, oui, bon, bah ouais, 27 ans, et alors, mais vous croyez vraiment que, voilà quoi, mon chien a mangé mon câble de fibre, j'ai pas eu de connexion une semaine, tu vois, comme quoi, c'est pas fiable à 200% la fibre, si t'as un clébard, terminé, voilà. Tu penses quoi de Mira maintenant? J'ai pas regardé, voilà, mais je pense que le nerf est bien, il est pas si problématique que ça au final. T'as pensé à l'héritage de la Salty Academy, car faut y penser, genre si je meurs, c'est ça? C'est vrai, à qui je vais léguer tout ça? J'en ai aucune idée. Peut-être à Mary. Ça lui reviendrait un peu de droit, je pense, quoi. Ou non, je fais un... Non, je pense pas. Je pense que c'était... Là, ce que je viens de dire était une énorme connerie. À vous et aux surveillants, surtout. Voilà, ça, c'est du politiquement correct. Voilà, les surveillants, c'est des merdes. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas le post-mortem du coup? Non, il n'y a rien. Voilà. Non, il n'y a pas le post-mortem, je déconne. Mais du coup, t'avais quel âge quand t'as gagné la Pro League? J'avais 16 ans, je crois. 16, 17? Attends. Là, j'ai 27. C'était en 2016. Ouais. J'avais 23. Un truc comme ça. 22. 22, ouais. J'avais 22 ans. Ouais, ouais, bon, bah, normal, hein, normal. Hein, voilà. 47 ans, il serait temps de faire son testament et d'y réfléchir. Mais vous êtes vraiment des fils de pute. Vous voyez. Après, je vous renvoie des trucs dans la gueule. Et après, ah, t'es méchant, machin truc, bidule. Déjà, on va faire un truc. Tous ceux qui sont encore sur PS4, ils n'ont plus le droit de parler dans le chat. Hein, tous ceux qui nous font chier avec leur console là de qu'à 10 ans, sérieusement. La console boomer, quoi. S'il te plaît, tu penses que ça va sauter sur PS4 et tout? Mais on s'en fout de ta console, mon gars. Mon gars, c'est un Minitel, quoi. Ta console, elle est équivalente d'un point de vue technique à un PC qui a 13 ans, mon gars. 15 même. 15 ans. Hein?
Voilà, ça m'énerve. Je vous ai mis sur mon testament. Oh putain, mais... Comment tu fais pour jouer avec ton arthrose? Allez tous vous faire foutre. C'était comment la Seconde Guerre mondiale? C'était intéressant. Je suis toujours là, donc il y a des positifs. Voilà, bon, ça va glisser, je le sens. Ok, let's go. Du coup, il a gagné la Pro League sur la version de Rainbow Six avec des osselets. Je vais tout vous niquer, sérieusement. Ok, vous voulez, vas-y, franchement. Vous voulez vous la mettre ou quoi? Vas-y, c'est parti. Vas-y, vas-y, c'est parti. Victor Leva, il prend un ban. Il revient dans 6 heures, lui. Mérite à temps, je crois. Bah les couilles, Irshail, il prend un ban. 6 minutes de ban. Tu payais avec des écus quand t'étais jeune. Et ta mère, Willou, il prend un ban. Il revient dans 3 minutes, lui. Il va prendre l'air. C'est qui le suivant? Boxe anglaise, let's go. Let's go, let's go, ça j'aime bien. T'as vu combien d'espèces de dinosaures avant qu'ils disparaissent? Et j'ai vu ta rhum là-bas, ok? J'ai croisé ta rhum, ok? Ok? Donc fais pas chier. Razer, il prend un ban. Let's go, les surveillants, la soirée est réactif là. Il était comment Napoléon? Flazer Banks, ban! Vous me balayez. Je déconne pas, les surveillants. Putain, réactivité là. Voilà, 380 secondes, c'est parti. PC la vie. Il paye avec des pièces d'argent. Ban! Ban! Ban encore! C'était chaud la Pro League sur 3310. Ban! En plus, c'est pas drôle. Lui, il prend 10 minutes. Christophe Colomb, il était gentil. Ban! Bannez-les! T'avais sous l'ordre bonnet d'Dan à l'école. Oui, non, mais ça, en revanche, ça existait vraiment. En revanche, voilà. Eh, la dictature, c'est toujours d'actualité. Ouais, bienvenue sur le campus de la Solty Academy. Il y en a qui veulent ouvrir leur gueule encore ou pas? Elle était comment, Jeanne d'Arc au lit? Elle était brûlante. Ok, alors du coup, attends, bouge pas. On va. Et Mary, dites-lui d'aller sur salle d'attente. Il me dit qu'il m'attend, mais il est pas sur le campus, quoi. Hein? Limite celle-là, c'est pas toi qui définis. Irshael, là, il prend un ban, lui. Il prend un ban, c'est parti. Limite, non, elle est pas limite, ok? C'est juste que t'as pas d'humour, c'est tout. Let's go! C'est pas cool, ça. Mais c'est pas cool, ça. Jugement, ban, colasse. Il prend un ban, il revient dans 2 minutes, il va prendre l'air. T'as commencé Rainbow Six avec quel agent? Je sais pas si c'est du troll ou pas. Lasco, ça te manque pas? Julie? Ok, celle-là, elle passe ou pas? Sinon, la moustache... Non, mais putain, non. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Écoutez, combien Rainbow Six en ancien franc? Ok, Zozo 360-911, ban, il prend un ban lui. Il était à l'origine de tout ça, je suis désolé. Il prend 10 minutes, t'es très beau. Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. On assiste à un putsch. Non, t'assistes à un putsch de Kyodal, mon gars. Non, moi c'est moi qui te putsch. Ok, t'as déjà essayé de monter sur le dos d'un T-Rex. Ah, il est trop drôle. Bannez-moi ce fils de pute. Suivant. C'est bon? Y'a plus personne dans le chat. Je m'en bats les couilles, ils sont tous ban. C'était comment la révolution? Ban! Suivant! Les euros ou les écus, ça prend un ban! T'es joli, voilà ça passe. Merci infiniment pour les 400 bits, le Guise. Tous un ban, je m'en fous. Félicitations pour ta magnifique préface sur la Bible. Ah, c'est très très drôle. Ban lui, j'avais déjà dit tout à l'heure! Il prend une journée, lui. Victor Leva, je m'en bats les couilles. Il prend 24 heures de ban. Allez, salut. Allez. Il était comment Churchill? Il était sympa. Il était sympa. Il était vraiment sympa. Tu prends un ban aussi, toi. Ah, c'est bon. T'as débarqué sur quelle plage? T'es mignon. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Le Titanic, c'était joli. Ban! T'avais combien de pigeons voyageurs avec ton abonnement? Ban! Tu es très charismatique, ça passe. Ah, c'était bien à l'école militaire avec Vauban. Vous allez tous les faire, c'est plus drôle là. Bam, dégage, t'as pécho Catherine de Médicis. Non, non, jacuzzi, dégage. Ban, Mitterrand c'était ton père. Non. Il fait pas trop chaud chez toi? Non, ça va, il fait pas trop trop chaud. C'est bon? Tain. Bienvenue sur le campus de la Solty Academy pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein? Ils étaient cool, les Mayas. Non, ils étaient pas cool. Théo Van Roy, il a pas arrêté, lui, depuis tout à l'heure, là. Bam, 600 secondes, c'est pas assez, ça. La dictature, oui, alors. Putain.
C'est dingue ça. Et allez dire à Mary de se mettre dans la salle d'attente s'il veut vraiment qu'on parte jouer ensemble là. Déjà qu'il y a le match ce soir, donc voilà. Merci évidemment, Frema, nouvel étudiant du campus de la Solty Academy. T'as pas pris un gros ban dans ta tronche, toi. Merci évidemment, bienvenue à toi sur le campus, poulet. Ok. T'es plutôt svelte, non? Ouais, absolument. Carano 64. Je trouve aussi. T'as vu un peu? Je m'entretiens. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est bon? Vous allez tous prendre un ban, hein? Vous allez... plus personne ne partira. Bonjour, ban. Je me resub, même pas de remerciement, c'est grave. Quoi? Où ça? T'as eu zéro resub. C'est pas marqué. Ah non, je le vois. Frère Ma, Le Guise, The Jumper, Socroc, Paycos et ZTV. Voilà. Donc désolé, poulet. T'es sûr que c'était pas un ban que t'as pris? Oh putain, là-bas, j'ai jamais vu autant de ban dans le chat. Oh, ça fait tellement plaisir. Voilà, emoticon only. Bah allez, allez, bien. Bam, impeccable, nickel. Allez, tous vous faire foutre. Ok. Bonjour. Ouais, bah c'est la dernière fois que tu me fais attendre comme ça. Moi, je suis désolé. Mec, salle d'attente, je t'ai dit. Non, histoire que la bonne humeur. Merci, Carano64. Je préfère. Ouais, mais je suis de mauvaise humeur, donc casse pas les couilles déjà. Non, je préfère percer l'abcès maintenant. Ouais, bah perce l'abcès. Bah, il est au milieu de ton. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai pas dormi cette nuit. Voilà. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Ouais, t'as j'ai poncé ta mère, ouais. Ferme ta gueule. C'est le seul truc que tu peux poncer, là. Merci infiniment, DK, d'avoir offert la possibilité à Armo Stress, à Maxou, à Driver. Non, sérieusement, j'étais avec ta rome. À Driver94, à Vivitix, à Binouz, à Eizo, à Slam, okay, à Zark, à Attila et à Linus Wolf. Leur droit de scolarité. Envoyez des GG et des cœurs pour DK. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, et des petites blagues de merde, etc. Ok, les. Vous savez, la Solty Academy maintenant, c'est plus vraiment ce que c'était, mais. Ok. J'essaie de préserver l'apparence. Ok. Il va bien fermer sa gueule, et je te jure, je vais me le faire. Ok, donc DK, merci infiniment. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Il y a pas de. Votez prêt, sinon. Il y a pas de. Comme voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il y a que ça que vous avez le droit de faire dans le campus. Vas-y, ne me réponds pas, mais moi désolé, mais il y a des gens qui paient des droits de scolarité ici, ouais, mon gars. Ouais, droits de scolarité, bah tu dis merci et puis basta quoi. Tu vas pas faire, tu vas arrêter de les sucer deux minutes là. Mais ils offrent plein de trucs là. Ils offrent plein de trucs là. Merci vivement Le Guise d'avoir offert la possibilité à S-Man Brock, à Babtou, à Blasoff, à Survivant, à Fap, à Maypi, à 50, à Xangzu, à Xanity, à Patrouilleur et à Aku leur droit de scolarité ou leur frais d'inscription au campus de la Solty Academy. Je suis complètement fatigué. Je suis absolument sur les nerfs. Envoyez des GG et des cœurs, s'il vous plaît, pour DK et pour Le Guise. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire sur le campus de la Solty Academy. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous la voyez? Comment vous la sentez, la dictature, ou pas? Il n'y a pas d'autre possibilité. On ne parle pas. Il n'y a pas de liberté d'expression. Ok? Vous payez. Hein? Et puis c'est tout. Ok? Voilà. Merci infiniment, DK, d'avoir offert la possibilité à Chassaou, à Galante, à Cantlic, à Paris et à Destruct B, leur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Merci infiniment pour les 15 droits de scolarité. Ok? Il a payé là 75 balles. Alright? Putain. M'énerver, lui. Merci, envoyez des GG et des cœurs. Voilà, vous avez le droit de faire ça. Voilà, ça c'est des GG, ça c'est des cœurs. C'est bien, allez. C'est CBG. Non, des GG. C'est pas un GG, ça. C'est une tête de fion. Oh, putain, je sais pas quel est le streamer. Je suis désolé. Je sais pas ce que c'est. Des cœurs, voilà, c'est ça. Voilà, vous avez le droit, ça. Ça t'as le droit. Toi, tu restes. On paie quand même pas voter, c'est quoi ce suffrage? Tais-toi, toi. La démocratie, ça n'existe pas. C'est un leurre. Vas-y, okay. Prends ton temps, hein, surtout. C'est un leurre. Ok. Excuse-moi. Ok, du coup. Bah, oui. Du coup, moi, j'attends plus à peu près. Mais tu une veux heure jouer maintenant. Sur quoi? Une heure? Sur ok. PC. Très bien. 14h37, il est. 14h37. Ouais. J'arrive, je lance. Minutes. À 14h08, déjà. T'avais pas lancé. Ah, bah non, mais j'arrive, je lance. J'avais lancé. Hein. Donc, tu m'as fait attendre. Non, mais c'est pas grave. Après, t'as pas de politesse. Tu sais pas co-stream. C'est pas grave. Tu te mutes pendant 100 ans pour parler à ton chat alors que je suis là. C'est pas grave. Mais mec, je les remercie. Non, mais c'est pas grave. Je vois que tu prends tu tes vas niaises. Hey, franchement, j'ai pas dormi. Je suis d'une humeur massacrante. Je vais te défoncer. Ouais, la seule fois que tu vas massacrer, c'est ton clavier. Allez, viens, on joue, là. Go. Invite-moi. Ou je te rejoins. Je peux te rejoindre, là? On joue à R6 ou pas?
Ah bah j'ai lancé R6. Ok, ok, mec, ok, 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 c'est bon, on prend pas la tête. Ça, fait, ça fait 30 minutes que. Mais ouais. Change de ton, mec. Non, mais. Alors là, mon gars. Non, je te jure, j'ai pas dormi, je suis d'une humeur massacrante, mon gars. Merci beaucoup pour. Mais ferme ta gueule, tu te butes. Merci le Guise aussi, merci beaucoup. Non, mais moi, tu vois, moi je dis merci, puis voilà, c'est bon. Le Guise, il paye des droits chez toi ? Bah, encore heureux. Bah, non, 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 je suis désolé. Le Guise, qu'est-ce que tu fous là ? Ouais. Ça fait 8 mois qu'il paye. Il paye pas des droits. Ouais, désolé, il paye des tickets au Maryland. Non, il paye un sub en fait. Ok, il n'y a plus de lore. Le lore est mort. Non, il paye un sub à 5 balles, hein, à 4,99, hein, tout simplement. Oh, et encore sans les taxes. Merci hein, pour parce les 100 bits. Merci au Il paye 1,65€ au final, ce con. Faites péter le train de la hype par contre. Attention. Ouais, faites péter le train de la hype aussi. Ouais. Ah merde, excuse-moi. Là par contre, je pensais être mute. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Ok. Merci pour les 1000 euros. Moi en plus c'est pareil. J'ai un truc à ouvrir. Bam, let's go. Prédiction, c'est parti, quelle couleur? Allez, ça enchaîne là, les surveillants là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, let's go. Nom de Dieu. Mais t'es pas celui qui tryhardait Div 2 avec Zali? Quoi? Ah non, vous parlez entre vous. Ok, bleu, sondage. Non, prédiction, ok c'est bon. Elle arrive. La couleur de ce truc. Et arrêtez de taper dans le chat, bande de trous de balles. Ouais, je vais partir dans l'insulte assez facilement aujourd'hui. C'est quoi la couleur du dernier? Et alors? Et l'autre, il est en train de nous faire une loi des séries, quoi. Ok, Rinsler. C'était long, 10 minutes de ban, tu m'étonnes. Mais t'es revenu, ok? On est à l'armée. Et alors, t'as tout 86, t'es un militaire, donc voilà, quoi. Tu te dépêches, là? À quoi? Mais je te jure, dans 3 minutes, si on n'est pas en. Pourquoi les points de chat ça fait 0-0? Si la game n'est pas lancée, je pars sur BF. Est-ce que What? C'est clair? Mais attends, mais tu m'as pas invité, enculé! Je n'invite personne, moi. Les gens me rejoignent. Ok. Mais comment ça, les gens te rejoignent? Non, tu me rejoins, non, toi. Je t'ai invité. Ah, d'accord, ok. Bon, bah voilà, tu vois, il n'y avait pas besoin de. Ouais, c'est vrai, tu fais un petit effort. Ok, ok. Ok, merci pour une fois que tu m'invites, quoi. Oh merde! Ah bah, faut enlever la prédiction. C'est de la merde. Ok, allez, salut. Mais quel truc. Quand tu acceptes une squad et que t'étais en train d'ouvrir un alpha pack, ça l'ouvre automatiquement. Voilà, faut le savoir, je savais pas, mais bon. D'accord, ok, super. La prédiction est. Ouais, Twitch est un peu cassé, apparemment. C'est tout. Bon, alors, tu disais Rainbow Six Extraction, pas ouf, c'est ça que tu voulais relancer là-dessus. Plutôt pourri, même. Non, pour l'instant, je ne me positionne pas. Pour l'instant, il n'y a pas de hype, mais il n'y a pas non plus un rejet. Il n'y a pas de rejet, mais il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de hype, mais il n'y a pas de rejet. Voilà, je suis dans l'attente. Je pourrais donner un avis concret quand j'aurai posé la main dessus ou quand je verrai vraiment comment se déroule une vraie partie. Je pense que tu as un bon clébard, moi. Ouais, bah, parle de clébard, toi. Monsieur Poli, monsieur Mainstream, monsieur Tout Gentil, monsieur Hypocrite. Non, pas Hypocrite. Je dirais pas. Non, toi, autant tu peux être une pute, mais t'es pas Hypocrite. Mais monsieur Connasse, quoi, en tout cas. Monsieur Chauve, on dit dans le chat. Dis donc, les vannes sont de haut level, ce que je vois, les gars. Ok. Alors, attends. Putain, je peux pas lancer là, je sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce que j'ai déjà lancé. Non, mais je sais pas pourquoi je voulais faire un truc et ça buguait là. Bon, laisse tomber. Sois la pute. Donc, retour sur le campus de la Salty Academy, c'est ça dont tu voulais nous parler hier? Tu en penses quoi? Du skin? R4C du pass R6. Il est chouette. Je l'ai pas vu. What? Sérieusement? Ah ouais, non, ils ont fait des trucs de ouf, hein. T'as pas vu? Vigile, non, ils ont fait un skin avec une arbalète, mon gars. What? Non, sérieusement. Ils ont rajouté des trucs sur le côté de l'arme pour une arbalète. Alors moi, j'ai vu pour Capcom.
Avec la baïonnette là qui est ultra stylée. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais mis une image de R6 avec un Capcan avec un masque de tête de mort. Où est-ce qu'on l'a ce masque de tête de mort? Parce que le combo. Franchement, c'est beau, à moi que tu demandes ça. C'est peut-être un truc de... c'est peut-être le truc d'Halloween, mais j'en ai aucune idée, mec. Ah ouais, merci Zéro pour les 50 bits. Seiska, tu es vraiment un homme en or massif. Faudrait faire une vente aux enchères pour toi. Merci pour les 50 bits, Zéro. Et merci pour le message qui l'accompagne, qui vaut beaucoup plus. Que 50 bits en fait, hein, voilà. Hop là, allez, on va appuyer là. Hein. T'as envie de te marrer aujourd'hui ou pas? Ouais! Génial. Ok, bah je vais te mettre sur, en in-eyes sur toi. En in-eyes? Ça veut dire quoi? In? En anglais, c'est bon ou pas? In. Ok. 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 Non mais c'est, okay, c'est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi du coup? In. In, c'est dedans quoi. Ok. Dedans, et eyes du coup? Eyes, c'est. C'est les yeux quoi. Ouais. Et donc du dans coup les. Les yeux. Ouais, ok. Ok, ça n'a pas de sens. Bah si. Bah non, tu vas pas être dans. Avant, les yeux, avant de parler de la POV d'un joueur, pendant des années mon gars, mais t'as jamais joué au FPS, on parlait de in eyes. J'étais in-eyes. Ah si, bah non, mais si, moi, bah si. Moi ah j'ai si. Pas 43 ans comme toi, donc. Mais ta mère, je ne sais pas trop. Le diplodocus, mon gars. Le diplodocus. Oh là là. Le mec, il a un rocher sur la tête et il me parle, quoi. t'as vu l'iceberg que t'as au milieu du front, sérieusement, mon gars. Oh putain. Bah, toi, tu l'as au-dessus de la tête, tu vois. Ouais, bah super. Ouais, j'ai plus. Il vient un moment où j'ai plus trop d'arguments. T'étais pas en train de faire une petite traversée de l'Atlantique dans les années 50, dans les années 60? Non, c'est pas en montgolfière. C'est pas ouais, toi, c'est pas toi le Titanic en train de faire la planche, non? Un iceberg. Ok. Oh, c'est nul. Ouais, ta gueule. C'est non, en fait, c'est pas nul, c'est juste gênant. Ouais. Non, ça, non, là, le montgolfière, ça a jamais été fait, quoi. Ouais, mais c'est. Hey. Moi au moins je varie pas, hein. ça reste de la merde, ça reste de la merde. Non, t'as vraiment une tête de montgolfière, mec, t'es taillé en montgolfière. Mais t'as vu ta tronche, sérieusement, mon gars, on dirait un espadon, mon gars. Ta mâchoire, c'est une nacelle. Ta mâchoire, c'est une nacelle, vraiment. Une petite nacelle avec mais le gros t'as truc, vu, toi, là, qui... on dirait mais non, mais moi, Alain Chabat, mon gars, tu ressembles à Alain Chabat, mon gars. Bah, je préfère ressembler à Alain Chabat que Jason Statham. Bah ouais, t'as un gland, ouais, bah ouais. Le gland de Jason Statham, à la limite. Oh, je sens que je vais pas rester. Hi everybody, I'm Mary and we're drunk. And we are fucking drunk, man. Yes, a little. Oh là là. But don't worry. Là, j'ai des saccades. Hein. Je suis d'accord avec les critiques qu'il y a actuellement sur la nouvelle mage. Il y a des micro saccades in-game hein, que je n'avais pas tout à l'heure en chasse au terreau. I don't know what did you do. Oh le bâtard quoi. Comment j'ai loupé ce kill facile. Ah ouais, le mec qui m'attendait là quoi. MDR. J'ai loupé un kill facile et je suis mort comme une raclure. Voilà. Comme GG, une raclure de bidet. Vas-y, on va se mettre sur la vue de 6-4 et on va regarder. Oh va bah mec, je me suis pas surfait, c'est mort. On ok, peut pas... déjà, ça commence par une excuse. J'imagine que t'as un peu les mains froides là. Non, elles sont un peu trop chaudes d'ailleurs pour elles être tout à fait chaudes, ouais, voilà. Alain Chabat est BG. Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, Alain Chabat. Surtout dans Didier, mon gars, excellent. Non mais mec, tu te permets de faire des critiques physiques, c'est assez culotté, je trouve. Oh, c'est assez culotté, dites donc. Non, non, vraiment, c'est assez culotté de ta part, quand même. Parce que, vraiment, pour un mec qui est vraiment laid, c'est culotté, de, tu vois. C'est un peu comme si Zidane disait à un mec, oh, t'as vu le chauve. Ou alors que un mec qui est handicapé, il dit hey, regarde le mec il peut pas courir. Tu vois, c'est un peu du... C'est l'hôpital, la charité, tu vois, voilà. En tout cas, gros tryhard. Hein. What, il a tiré d'où lui? Elle vient d'où sa balle? Ah là. Putain, je voyais rien, mon gars. Bah, tryhard, non, pas vraiment, mais bon. Non, non, je vais. C'est juste que je me fais chier en vrai. Fume-le.
Il est peut-être reparti couloir pour faire la rota sur la droite. Y'a moyen. Là, il peut pas crever ou quoi? Il est mort. Il est à terre. Ouf. Oh, what? Ouais, bah il prend pas les têtes. Hein. Non, non, je suis en plein dedans. Ouais, parce que pour moi aussi c'était une tête. Bah, on l'entend, oui, on entend le... pioup pioup. Ouais, ouais, il y a qu'une tête qui dépasse. On tire dans la tête, on entend le proc de la tête, mais c'est pas une tête. Rainbow Six, man. Ah là là. La vie est dure. Ah non, mais franchement, depuis hier, depuis la nouvelle mage, j'ai jamais, depuis le début du jeu, eu autant de trucs un peu chelous, quoi. C'est-à-dire des mecs qui meurent, mais j'ai l'impression, tu sais, de... Ah, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Non, non, tu vois ce que je veux dire, le décalage entre le skin model et la hitbox. En gros, tu sais, tu tires derrière le... c'est ça. Il est derrière, tu vois, le truc. J'ai tué des mecs, parfois, qui étaient derrière des murs, mais vraiment derrière des murs, tu vois. Et je me disais, putain, mais là, j'aurais pas dû faire le kill, quoi. Hier, c'était que ça. Des headshots n'étaient pas des headshots ou l'inverse. Mais ça, moi je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète vraiment pour l'état de santé de R6. J'ai l'impression que là, on est en train de d'essorer une serviette, tu vois, jusqu'au bout. On la tord pour vraiment l'essorer. C'est vraiment le sentiment que j'ai et ça m'inquiète en fait. Ça m'inquiète vraiment. Ouais, mais bon. Des took ventilation. Viens, on push. On push from Tellers, Conta. Vas-y. Sur mon ping. Après, je suis vraiment pas chauffé, moi. Là, j'ai pas du tout. Le recul des Twitch est mieux ou pas? Il y a des gens qui en parlent, ouais. Apparemment, avec un je sais pas quoi, c'est mieux, ouais. C'est pour te dire, j'ai même mis Zofia, après un an et demi, j'ai changé quoi. J'ai changé le compensateur, j'ai mis une poignée verticale. Je sais pas pourquoi, ça touchait pas, hier ça m'a saoulé. Dead game avant la fin de l'année. Non, je pense que c'est pas prématuré pour parler d'un dead game. Il y a zéro dead game. Non, non, il n'y a pas de dead game, mais il y a un... Je vois pas, mais what the fuck? Décidément. De nouveaux BF qui vont quand même le sentir passer au niveau de la fréquentation. Oui, alors attention avec la hype BF en vérité. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, le nouveau BF. Généralement, la force de frappe d'un BF, c'est un mois, deux mois. Hein. Après, ça se calme. Hein. Après, à voir. Attends, poulet. Attends, je me mute. Vas-y. Sense. The diffuser is now secured. Ouais, dommage.
Frein de bouche ou flash hider? J'ai pas fait les tests pour essayer de voir ce qu'elle était le mieux encore. Franchement, je vais attendre que des gens le fassent et je vais copier. Ils vont être où là? Ils vont être. Ils ont pris ventilation déjà? Non, ouais, ils viennent de le prendre. Ouais. Ils vont être toilettes et tout. Hein. Ah, ça m'énerve, les gens qui me prennent Zofia, quoi. Ils voient le mec qui paye 3 kills avec, c'est bon, ils se disent c'est parce que Zofia, elle touche meur. Bah non, en fait. Ok, let's go. Ils vont être. S'ils étaient pas trop cons, ils peuvent être n'importe où là, en fait. Parce que ventilation, je pense que c'est le pire de tous, quoi. Ouais, ils vont être toilettes. Ils vont être toilettes. Bah, ça peut être pas mal, mais custom, les gens le prennent pas mal encore, en fait. Mais toilettes, mais les gens sont pas encore habitués, mais c'est vrai que c'est le meilleur, je pense, hein, maintenant. Putain, de fait de pas pouvoir. De faire Mage F2 et de se mettre en. On peut pas se mettre en. Ne pas déranger sur Mage F2, quoi. Tu penses quoi du fait qu'il faut appuyer sur une touche pour ramasser la bombe? Je m'en fous, je ramasse jamais la bombe. Bah là c'était compliqué pour moi là. À chaque fois j'oublie, mais ça va tu venir. Habitues. Ouais. Vérité, tu t'habitues. J'ai pas été confronté à devoir la ramasser là. Mais gros, en gros tu dois appuyer sur F, c'est ça? Non? Ouais, c'est ça. Tu dois faire quoi? FFF. Donc c'est pas tu passes dessus, tu la ramasses. Non, fini. Oui, c'est pas c'est juste une question d'habitude. Ouais, hier ça m'a failli. Enfin, j'ai failli louper mon clutch. Ou j'ai même loupé mon clutch à cause de ça. 10 seconds to go. Ok, bah on est que 4, donc faudrait prendre le top, quoi. Je peux même pas me mettre en ne pas déranger, quoi. Si je clique sur le truc. Allez, les gars. Youplay, c'est vraiment de la daube. C'est ouf, hein. Ça s'appelle UbiConnect maintenant. Ouais, bah c'est toujours aussi pourri, hein. Oui, moi je suis pas fan du système. J'ai l'impression que c'est un downgrade aussi de. Ah ouais, non, sérieusement, c'est vraiment naze. Non, je vais pas passer par là. Viens avec moi, CCTV, contrôle SKS. Tout ça. Y'a un mec là, sur ping. Il va rotate par le bas, lui. Il est en dessous le SKS. Oh mais non, mais je fais que de crever en... En dessous le SKS. Below... Putain, mais... E-stairs. Regarde le timing que je me prends, quoi. Ouais, là je dois mettre la tête, moi j'ai pas drôlé. Ah là là... Let's win! We can do this, ok? Ouais, bah moi, il faudrait que j'arrive à jouer. Je ne peux pas jouer plus de deux minutes. Plus d'une minute. Viens, on va prendre. On va les surprendre, on va prendre les toilettes. Je vais prendre un mute. Si tu veux prendre une Mira, à la limite, je sais pas si elle est ban. Ah, elle est ban. Non, je vais prendre Aruni. Let's go, toilet. Toilet, Aruni. Je vais prendre le nouvel opérateur. Faudrait roamer au top, en fait. J'avais pas vu, on est 4. Bon, on s'en fout. Ah bah vas-y, en fait on est que 3, je fais pas de... Ouais, prends le nouvel opérateur. Bah même en à côté de moi là, je vais rester sur site, mais bon, ils vont pusher au top. Hein. Thunderbird. C'est trop long comme nom de code. C'est, oui, voilà quoi. Exactement ce que je disais. Ouais. On est habitué à des noms Tibi, assez mais... avec des deux syllabes. Ouais. Voire une. Jagger, Muteux, Ibana. Ah, maintenant c'est Mute. C'est une syllabe. Oui, c'est... Ouais, ok. Oui. Humour et tout. Mais non, on est habitué à des trucs short. Rotation all here. Toi, t'as pas de alibi? Can you have. J'ai un C4 au pire. Non, le claque-là. Yeah, nice, thank you. Here, guys. All this wall. If someone can defend in the... J'aime plus en anglais. A work thing, the blue thing. Merci. Infiniment, UK, pour les 7 mois, t'as un monstre, poulet. Une deuxième station ici. Faut prendre. You need to take E stairs, Alibi. E stairs.
Nice, bro. Close this, close this. Be advised, Op 4 has located a bomb. A bomb has been located by Op 4. Ah, vas-y, tu peux le faire. 1v4. 5. 1v4. 1v4 jump dans le carré. Ils sont nuls en plus, c'est chaud. Mais d'où il me voit, quoi? Y'en a un qui plante. Envoie ton C4 sur site, c'était un C4. Dommage, t'inquiète. Bah première game de toute façon sans se chauffer, faut pas s'attendre à... en 4v5, faut pas s'attendre à des moi, miracles. J'étais chaud. Mmh. Moi j'étais chaud. La hitbox reste longtemps même après avoir bougé quoi. Mais avant ça le faisait de temps en temps parce que c'était je sais pas, mais maintenant ça se voit limite quoi, c'est ridicule quoi. Le truc de mourir derrière des murs ou de faire des kills derrière des murs, ça va faire que d'arriver quoi. Genre vraiment que d'arriver. C'est vraiment horrible. Mais pour moi c'est une rétrogradation de l'état de santé du jeu en fait. Mais non, parce qu'à mon avis, ils veulent faire des corrections, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, oui, peut-être que. D'accord, ok. Ouais, peut-être que visuellement, nous, ça nous donne l'impression que c'est plus la merde qu'avant. Mais. Alors que c'est une rectification du fait que tu aurais bien dû l'avoir, par exemple. Ouais. Ça ouais. Ouais, là, ce qui me saoule, c'est de ne pas pouvoir quand même faire un Mage F2 et de pouvoir me mettre en ne pas déranger, quoi. C'est quand même dingue, ça. Hein. Pourquoi tu peux pas te mettre en ne pas déranger? Bah, comment tu le fais sur le truc Mage F2, poulet? Ah, tu veux dire qu'il faut passer par le... T'es obligé d'alt-tab. Non? Non, tu vas dans paramètres. Non, sérieusement, settings? Non. Ah, les notifications in-game, tu peux enlever, ouais. A friends come online, ouais, tu peux enlever. Mais t'as quand même pas de ne pas déranger, effectivement. Après, oui, activer une notification. Mais je vais l'enlever, ça. T'as raison. Là. Ok, je vais faire ça déjà. Comme ça, il n'y aura pas les personnes qui lancent le jeu toutes les 3 secondes là. C'est ouais, vraiment c'est naze vrai, quoi, ça, ce genre de truc là. Tu peux en lancer si tu veux. C'est moi, c'est toi? C'est toi, c'est moi? Non, c'est toi. C'est moi, c'est toi. C'est toi, c'est moi. C'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Merci infiniment, Bounty, j'imagine, Bounty. Nouvel étudiant du campus, bienvenue à toi sur le campus de la Salty Academy. Pour l'instant, ça me semble charme, les amis. Merci infiniment, Poulet. Merci beaucoup, vraiment. Welcome to le campus. Petit stream aujourd'hui, parce que après, vous le savez, France-Allemagne, tout ça, on va quand même regarder, quand même suivre ça. Donc, à partir de 18h30, ciao les bambinos, ok? Six, tu passes le bac ça, en fin d'année? Oui, 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 bien sûr. Je parlais BF. Oui, oui, oui. Mais dans BF5, t'as pas eu l'occasion d'y jouer du tout? Non, zéro, jamais. Dans BF5, il y a un truc qui est... c'est un truc tout con, mais ça t'apporte un sentiment de plaisir à jouer. C'est en gros, quand tu mets une tête, t'entends le du casque que tu mets, tu vois. Quelque soit la distance, hein, ça peut être à 2 mètres, 6 mètres, comme dans Mordo, tu sais, quand tu mettais des gros headshots c'est à Mordo un peu ça. Avec ouais, l'arc. Ouais, ouais, ah, ouais. J'aime bien. Et du coup, t'entends le bruit de la balle, t'entends le... Kling, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, même quand tu fais un tir à 200 mètres, c'est. Mais jouissif, ou à 400 mètres, bien sûr. C'est excellent. Et ouais, ça, j'espère que c'est un système qu'ils vont laisser dans BF, dans le prochain BF. Alors, ce sera peut-être pas un bruit de casque de Seconde Guerre mondiale, mais dans cette idée-là. Parce que c'était excellent. Hier, par exemple, j'ai fait un tir à 500 mètres où j'ai mis une tête. Et j'avais presque envie de dire qu'il avait pas de saveur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'avais pas le bruit de... Bon, c'est toujours bien de mettre un tir de loin, mais... Mais t'as quand même le côté cling, tu sais, quand tu fais un kill. Non. Si, non, mais non. C'est pas le son... Non, tu l'entends... Alors, tu l'entends ouais. Que s'il est à portée, en fait. Mais je suis d'accord. Mais il est très faible. Non, non, là, j'aimerais un truc genre vraiment où t'entends le bruit de la tête, quoi. Ouais, non, mais tête, oui, clairement. Ouais. Je vois. Mais même dans des...
dans BF5, ça c'est exceptionnel. Vraiment, la sensation de mettre des têtes est très très bonne. Et du coup, tu mets des têtes. Et du coup, tu mets des têtes, ouais. Non, mais toi, tu... Ouais, moi, on a compris la blague. Très okay, bien. Ok. Génial. Okay. Wow, t'es taquillin. Mm-hmm. Taquillin. Ouais, t'es taquillin, ouais. Je suis plutôt taquillin. Ou ouais, plutôt taquillin en ce moment, ouais. Bon, sinon, tu vas supporter la France ce soir ou pas? Allemagne, mon pote. Allemagne. Ouais, grave, moi aussi, putain. Franchement, les poteaux Bosch. Oh putain, merde, je sais pas s'il y a le droit de faire ce genre de blague. Ouais, c'est limite. Ouais, c'est limite, celle-là. C'est vrai que. Mais bon, y a pas beaucoup d'allemands. Non, mais il voulait dire les poteaux qui travaillent chez Bosch. Dans le, chez Bosch, ouais. Le... Les poteaux de chez Bosch. Ouais. Bah, tu peux couper des. Hein, tu peux couper des bons poteaux avec du matériel Bosch. Merci évidemment. Et franchement, je suis trop fatigué. Je suis désolé, poulet. Merci, petite pinote. Ok, petite pinote. Nouvelle étudiante du campus, bienvenue à toi. Ou étudiante, je ne sais guère. Mais bienvenue à toi sur le campus de la Salty Academy où je suis extrêmement fatigué, donc très borderline, forcément. Parce qu'en plus, pour le coup, c'est vraiment gros match, en fait. Ouais, j'arrive. Faire un France Allemagne, c'est un peu un remake de Bulgarie. J'arrive. Oh, ouais. C'est trop borderline, hein. Moi j'ai du mal avec ça. Ok, re. Hop, on remet la cam. Et c'est parti. Yo, Sandra, comment tu vas? Yo à ceux qui arrivent. C'est pas le match d'ouverture. Non, c'est pas le match d'ouverture, effectivement. Mais je voulais dire pour la France, quoi. C'est le premier match, on va dire. Oh. Mais oui, c'est pas le match d'ouverture, effectivement. Je suis là. Let's go. Ok. Bon, je reviens sur des basses scènes. Ouais. Voilà. Je vais te péter. Mais ça te dérange si je pète en live, regarde. Ah, voilà, j'ai pété en live. J'avais pas envie de le cacher, j'avais envie de le partager. Il s'est entendu ou pas? Très important, j'espère qu'on l'a entendu. Salut 64. A priori, oui. Ça commence à faire longtemps. J'en suis fier. Courage pour la suite en direct de mon... Yo, Pitouli. Oh non, sérieux? Bon courage, poulet. Merci pour les 1 an de frais de scolarité, accessoire. Merci beaucoup de payer tes frais de scolarité. Ce paie de fin de live. Ouais, c'est peut-être les derniers non, en plus. Ça, ce que j'ai fait, c'est pas un paie de fin de live. Du coup, si t'as le Covid, on sait. Non, mais on parler. Je veux pas être malaisant, mais on sait jamais. On sait jamais, ça se trouve. Un paie de fin de live doit au minimum durer. Ça se trouve, tu vas pas. Donc, c'est sympa de ta part. 1 an de frais de scolarité, ça marque un beau début et une belle fin quelque part. C'est à emmagasiner. Il faut savoir voir le côté positif des choses, hein. Ah, j'ai mis mon gilet, ah oui, ça. Non, je rigole, j'espère vraiment que ça va, t'inquiète, on est passé par là. Bon courage à toi et merci pour les 1 an. Ouais, j'ai un étudiant qui vient de payer ses droits de scolarité depuis 1 an là, il a le Covid. Donc je lui disais, je trouve ça sympa, généreux de sa part, comme testament, ouais. Du coup. Tu vois, de payer 1 an avant de...
Bah c'est gentil, c'est... Ouais ouais, moi j'apprécie une... Tiens, je te mets ça là parce que je suis un mec sympa aussi. Ouais, c'est vrai que t'es sympa. Ouais, tiens. Si tu veux jouer au... Je sais pas. Au... À l'Euro Mignon. Hop là. Oh, j'ai le 21. Ah, excellent. Tiens, on va leur mettre ça. Comme ça, quand ils vont passer, ils vont être contents, les attaquants. Ils vont avoir un heal gratos. J'ai peur que ça arrive sur ma droite. J'ai aucune défense à droite dans le... Toucher un mec, mais pas couler. What? Mais sur le site déjà, mais comment c'est possible ça? Non mais c'est impossible ça. Server. Server, into the server. Yes, there. Oh putain, mais juste là. Mais pourquoi c'est pas renforcé ce mur? On se fait totifier quoi. Non mais le problème c'est pas que ce soit pas renforcé, le problème c'est que personne n'a pris l'escaver. Ça c'est con. L'autre il a une... Quelqu'un punch une fenêtre derrière lui mais il s'en bat total les deux fions. C4, c'est bon, je change d'arme là. Ah bah ouais, one tap. Ouais, restez au même endroit les deux là. Ouais, prenez la même ligne. Voilà. Voilà. Y'en a un qui pousse et qui meurt. Ouf, ouf, ouf. Voilà, et là le deuxième. Ah. Pushing, 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 IQ. On ping, bro. Green stairs, green. Non, left, left, left. Yeah, there. Yes, there. Be careful, there is a hole on the right. Ouais, il peut avoir. Nice, bro. Oh, il a eu la chance parce que. You're welcome. Oh, no, it's a world champion. C4, do you know him? Je sais que t'aimes bien qu'on le répète. Ouais, non, c'est important, je pense. C'est important que les gens sachent. La vérité, parce que finalement... Bah bien sûr. Merci pour les 11 mois de phrase scolarité, Mister Goodies, et merci Pierrot aussi pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bienvenue au campus de la SA. Ça te dit pas de gagner un Six Invitational quand même? Bah non, de toute façon... C'est la mode d'être en 4v5 à chaque fois ou... Ouais, c'est un truc sympa. D'accord, mais le Six Invitational, parce que j'en ai parlé dans l'explication de pourquoi je suis champion du monde, le Six Invitational, je te le dis, ils vont enlever le côté championnat du monde quand ils vont sortir leur truc des nations, hein, c'est sûr. Ah c'est oui, sûr, ça va devenir ça le championnat du monde. Et dans ma présentation et dans mon document que j'avais dit, et qu'est-ce qui se passe si demain ils inventent un Six Invitational qui inclut par exemple le continent africain, tu vois? Bah du coup, le Six Invitational, on peut plus les appeler Coupe du Monde, puisque ça n'intègre pas tous les personnes. Ouais. Non, c'est la compétition mondiale à un instant T, c'est tout quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est comme si demain ils inventaient c'est la comme Coupe l'Uruguay. Du Monde. Ouais, non, je peux pas faire ces exemples. Mais non, mais c'est comme l'Uruguay. L'Uruguay a 4 étoiles de champion du monde sur leur maillot de foot. Et pourtant, ils ont gagné qu'une fois la World Cup. Mais ils ont gagné 3 fois ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant, c'était les Jeux Olympiques. Oh putain, eh non. Ah, bien vu. Bah ouais. Bien vu. Ouais, c'est le... Bien vu. Ouais. Et donc, ils sont... M'énerve. Système de réputation. Oh non, ça, c'est... Pff. Non, ne posez pas trop de questions, prenez... Oui, faites pas chier là. Ouais, faites pas yesh. Vous êtes culotté quand même. NS. Mais regarde, je le vois saccadé derrière les murs lui. C'est horrible. Et son nom plus l'icône, je la vois saccadée. Elle est pas fluide. Vous avez vu? Ils ont un jackal ou pas, hein? Ça c'est bien de pouvoir faire tab et de regarder qui est Esteban. C'est génial. Lockers, two lockers. Et français lui ou quoi? What? Lockers, two lockers. Oh, il prend mon kill. Ok, j'en ai un là. Putain, il le tue, cool. Nice. Je sais pas ce qu'on peut péter ici, rien du tout ici déjà. Je connais pas la verticalité ici. Ah, lockers du coup. Oh, nice. There is a sledge now? Non, 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 non. Oh, elle est parfaite cette ligne, donc ici en fait sur la trappe, ok.
J'aurais dû la choisir, la prendre. Il y a un mec avec nous, non? Il y a un bruit en trop là, non? Je sais où il est là, putain. XT, j'ai l'impression qu'il est XT. Non? Et les boulettes all! Les boulettes all! Ah, ils ont été nerfés les boulettes all! Ah merde, on le voit pas! Là, j'ai un boulette all, mec. Bien joué. Non, nous on voyait un gros trou. Non, non, mais je le casse à la fin. Mais j'avais un boulette all. C'est pas bien, tu me fiches. Ah ouais, ils ont été nerfés. Mais pas partout. Mais t'avais vraiment un boulette all? Ah ouais, non, carrément, ouais. En fait, tu peux essayer dans des renforts sur les extrémités et ça n'a pas été nerfé. Ouais, ça va vite être corrigé, j'imagine. Bon, ça va impliquer 13 bugs derrière, mais ça va... je sais pas. Oh, yeah. Matata. Faites-moi un clip là du boulet d'eau là, c'est pas le temps. Mais que c'est. Juste moi mon petit. Non, 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 non. Mon petit 6-4, mais moi. Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Salut Timo. Tim Fluid. Non, c'est Timo. Hey Timo. Hey, c'est Puma. Hakuna Matata. Hakuna Matata. J'ai une fille. Mangez les insectes. Ok. Ok, Timon. Pumba. Pumba. Ah, ouais, Pumba c'est... Matata. Ouais, j'aime bien, ouais. Ah, mais moi, tous les Disney, je suis un monstre, mec. Les imitations de Disney, je suis un monstre. Ok, fais-moi Hades. What? C'est qui? Ouais, voilà, il connaît pas. Mais non, mais du classique, dans mon gars. Hercule, mais dans Hercule. Fais-moi les hyènes. I'm a rooted. Il est chaud. Ok. I'm dead. Ok. Oh, j'aurais vu personne. Bah ouais, 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 moi non plus. On va aller dehors du coup. Et puis il va mettre 100 ans à sauver sa life. Il est sorting, il est sorting, il est sorting pour l'acheter, je les trigger. Okay. Ok, d'accord. Je fais de la merde. C'est Timon.
Pourquoi tu es mort, Arthur? Ah, il est en train de tout donner. La IQ est en train de tout donner. Qu'est-ce qu'elle fait là, IQ? Elle est rentrée sur site, hein. Il l'a vu. Bah ouais, mais bon. Il n'y a pas vraiment besoin de la jouer non plus, hein, visiblement. Biomass 42. Ah, c'est pour les 8 mois, Paulette, à un monstre. Chips has returned dead. Qu'est-ce qu'on va prendre? Si on prenait une e-banana. Toi, tu m'as mis Hakuna Matata dans la tête, quoi. Hakuna Matata. Vas-y, lèche-moi les doigts. Vas-y, mon petit gars. Mets-moi un petit coup là. J'ai envie d'amour, j'ai envie de tendresse, j'ai envie de rudesse. Première impression sur cette nouvelle opération, Mary. C'est bien, mais peut mieux faire. Je sais pas, ça m'a l'air... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Y a-t-il vraiment une différence? Voilà, c'est la question. Je ne sais pas. Je peux pas dire. Ouais, non, mais c'est ouf là. Cette saison, il y a ça. Donc ça manque de hype. Donc ça manque de contenu. Ouais, j'ai pas le truc qui me fait dire. Tu vois, en plus, là, je viens de masteriser de manière chill. J'ai les pieds allongés sur le bureau. J'ai même pas envie de. Voilà, tu vois. Oh, parce que je suis rebelle. Au bout d'un moment, il faut savoir se rebeller aussi. Non, j'ai pas de hype particulière pour cette saison. Je dois le reconnaître. Bah non. Je vais pas te mentir, depuis tout à l'heure je pense aller sur BF. Donc Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais qu'on continue comme ça, faire des petits trucs et des petits machins et se dire que tout va bien. Ok, let's go prendre le top. Mais ouais, il meurt pas, c'est ça. Et... C'est un monstre, poulet. Professeur Graham. Ah, il y en a un autre, mais sérieux, quoi, c'est quoi ces mecs? Qu'est-ce qu'ils font à deux ici? Bug de reload, c'est ouf. Hein. Au top, il y a encore l'autre là. Le truc improbable. Et je regarde la timeline, je ne la comprends pas quoi. Pour moi, c'est un. Tu sais, les messages que t'envoies aux extraterrestres pour qu'ils comprennent le truc, il faut avoir fait le MIT pour piger le truc, tu vois. Ouais, j'avoue. Je pense qu'à la prochaine, je décale sur BF. Putain. J'ai même pas envie de droner, moi. Ouais, tu vois, donc deux jours de hype, quoi. Pour la saison? Ouais. Ouais. Non, moi je...
ça manque, comme je disais, ça manque d'un nouveau mode, par exemple, tu vois. Un petit mode tournoi, un petit mode 3v3, un petit mode 2v2. Aïe, aïe, aïe. Ça manque de zombies. Ouais, aïe, 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 aïe. Non, après, je décale sur BF4, là, à la fin de celle-ci. Bah, vas-y, let's go, si tu veux. Il va gagner son 1v1, c'est un monstre. Bah de toute façon, il y a la conférence à 17h qu'il faut qu'on voit. C'est ça. On regarde la conférence à 17h de Battlefield 2042, ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment cool, faut vraiment y assister. Merci Yoda pour les 2 mois de transcolarité. Allez, t'es mort. Allez, bisous. Bon, arrêtez le 4, ciao. Alright, BF4. Let's go. On va sur ton serveur là ou quoi? Yes. Non, non, non. Pour rejoindre mon serveur, point d'exclamation BF4, ça vous mettra le lien. Dises, du coup. Je te l'envoie exactement. On peut me changer la catégorie, please? It's Mary. Et après, plus c'est quoi la conférence? C'est conférence communautaire, conférence. J'ai mis conférence BF de 2042. Ouais, ouais. BF5. Ouais, 2042. Hop là, pardon. Tac, tac, tac. Et let's go sur Battlefield, man. Alright. Ok. Alors, du coup. Alors, attends. Je change mon titre. Ok, c'est fait pour moi. Je lance le jeu. Tout, 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 tout. Origin, motherfuckers. C'est fait, c'est fait. Non, 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 non. Non, 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 non. Et donc, du coup, attends, ton serveur, il y a du monde dessus, là, ou quoi? Tu l'as mis encore en hardcore? Mary a fait son serveur BF4. Il y a pas de monde, mais ils vont tous arriver. Il est, ouais, 60% de dégâts. J'ai pas mis de multiplication des dégâts. J'ai pas mis le TK. J'ai pas mis le ping 3D ni le ping map, mais il y a la map quand même. Enfin, j'ai essayé de faire un équilibrage où les sensations sont bonnes. Et dans Metro et comment ça s'appelle et Lockers, j'ai interdit la M320, donc c'est le lance-grenade, ouais, et les roquettes. Hein. Ok, ok. Donc, s'ils le font, je banne. Voilà, j'ai la liste de tous les joueurs et s'il y a un mec qui fait trop de focus sur nous, je banne. T'as pas un mode qui te fait ça automatiquement? Je devrais. Non, je sais pas. Je crois que ça m'est déjà arrivé de me faire ban en auto sur un truc, sur des trucs quoi. Alors attends, tu vas pouvoir me rejoindre. Multijoueur, navigateur serveur. Point d'exclamation BF4 si vous voulez nous rejoindre là. Bah j'attends que tu te lances et on y va. Oui, c'est pas con. Favori. Elle est à 17h, ouais. Elle est à 17h, la conf. Entre parenthèses, je vais mettre 17h, vous avez raison. Je vais mettre dans le titre. Ça, j'ai hâte de regarder ce qui nous attend pour le prochain jeu. Mais j'ai hâte qu'ils apportent des... J'espère que ça va être un truc un peu question-réponse, en vérité. Faut que j'affiche le jeu, sinon vous allez rien voir. Let's go. Console peut venir. Y a du cross-platform sur BF4 ou quoi? Non. Cross-platform. Non. Non. Ok, je te rejoins. Mais là, y'a personne dessus. Non, c'est quoi, non, c'est une conquest large? Ah bah on est passé, ouais. Y a des hélicoptères? Ah merde, non, bah non. Ouais, j'ai mis des... Bah, non, opération de... Locker, en fait, j'ai mis des maps ouvertes et des maps, deux maps fermées comme celle-ci. Du coup, là, on est que 6, rejoignez. Comment on rejoint le point d'exclamation BF4. Bah si quelqu'un veut rejoindre, donc, du coup récupère, si quelqu'un peut récupérer la commande les amis. Sur on était 60 en 2 secondes là, et vous faites quoi? Ah on est à 1000. Sur le live de Mary. Et on faire va la même commande à vous du péter coup. La gueule, un truc en 4v4, serveur les gars, BF4, hein. BF4 Mary ou je sais pas, BF4 M3, voilà quoi. On est en 4v4, ok. Ah, nice. We have
We're taking the enemy is Vas-y, faut aller en sel en fait. Faut qu'on teste le C instant, sinon ça va être la merde. We've just taken objective Bravo. Grenade out! J'ai mis le lien. Oh. À gauche, en dessous. En dessous, ça push. Alright. Et en face. Il faut se remettre dans le contexte BF. Hein. Au-dessus, dans le top, top tower. Dans la tower, pour Attendez, je vais me mettre en position confortable. Enfin, pas confortable, mais try. Oui. Nice, c'est pas mal ça. Oh merde, heureusement il n'y a pas le TK. On peut reprendre le C, les amis. Hein. Dans la tower. Vas-y, je suis en train de langer. Enfin, pas dans la tower, mais dans l'escalier sur le côté. Tu les entends, tous les mecs? Il y a un mec sur ma gauche. Dans l'escalier. Attends, t'entends les mates là, 6? Non. D'accord. Non, je parlais dans le truc, mais oui, non. Non, je les entends pas. On apprend que le C ou quoi? Ok, on a récupéré B. C'est faut le prendre. Quelqu'un est en train de le taguer avec lui parce que... Il peut pas le prendre là. Il peut pas le flag, le mec. Pas le bâtard. Info? Attendez. Il est mort. Je le tue pas! There's your medkit! Pick it up! Here, take these meds! I got a medical emergency! Here's your med! De toute façon, la tower, faut pusher. Let's go, D! Fais gaffe sur le côté là-bas. À l'extérieur. Quand on a D. Je passe par l'X. Ils sont en train de nous prendre B. Hein. Ouais, mais je push sur D. Pourquoi les gens ils viennent pas là? Pourquoi on est que. Oh, y'a point. Objective Delta is now neutralized. Nice sur D. Mais ils vont reprendre C. Hein. Ils repiquent C. Il repique le C. Hein. Ok. Here's your med. Pick it up. Ils prennent le B aussi. On a tout rotate en fait. Hein. Ouais, c'est. Oh là là. J'ai galéré tranquille. Non, ça va. Do
Ouais, il faut les DLC. Hein. Vas-y, bah écoute, on y retourne. Attends, où est-ce que je viens? Tour 1. Ah oui, ça, on sait juste que c'était fermé, effectivement. Devant, des nains. Ah, 2 heures. Attention, reste. Le A est en train de se faire cap. Notre A est en train de se faire cap chez nous. Derrière nous, en fait, là où on vient. Mort en A, 2. Ok, bien, wesh. There's your med kit. Go get it. Je repère direction B. Go. Just neutralized objective Bravo. Alpha, c'est bon. Bravo, c'est, Charlie est en train de se faire tag. On est sur Bravo. Ouais, j'arrive. We're taking objective Bravo. Ok. Ah, dans le dos. Oh merde, ils sont juste au contact. Attends, là la DMR elle passe pas, on va changer un truc. Je suis en train de cap le D. Ouais, pareil. Faut que je sois squad lead là. Viens avec moi. J'ai créé une squad Delta. Parce que il met pas les points lui. Oh mais non, please. C'est où ça? Dans les prisons en tout. Pas de campagne dans le prochain BF? Oh, je sais pas si c'est le plus important ça, la campagne. Ouais, non, c'est pas le plus important. Ouais. Franchement, pour un BF, voilà quoi. Si vous voulez rejoindre, vous pouvez. Hein. Je sais pas si la commande a été créée. Mais vous pouvez. On va mettre Game Viewer d'ailleurs. Hop là, le double kill. Here's your med. Ça couvre en bas du pilar. Je vais mettre Game Viewer dans le titre. Je les vois pas, ils me tirent dessus, je les vois pas. Ok. Genre il s'apprend pas. Avant de raise, pensez à nettoyer en face les gars. Ça rien de me raise. Ouf, il m'a pas lu. J'ai pas le serveur dans la liste. N'hésitez pas à faire... il faudrait faire la commande en fait. Je sais pas ce que, quelle commande il a fait, mais Rim est récupéré là. Take a heavy fire!
Ah mais y'a du monde dans... on est vraiment dans la merde là. Derrière moi, sur E, y'a du monde qui vient de E, Echo. Mary, t'es muté depuis tout à l'heure ou quoi? Non, je suis là, okay, je suis okay. Juste focus sur ma game. Ah putain. Là ils nous prennent tour, moi. Faudrait pusher le E, let's go E. Go. Putain, en face de moi. Oh mais lui il plante comme une merde là. Mais ouais. Ah mais je l'attendais mais il voulait même pas pusher quoi. Ah mais il a raison. Let's go prendre E. Faudrait proc sur C maintenant pour éviter de se le faire prendre. Ça pourrait être pas mal. Vas-y. À ma gauche. Gauche, t'es où? Il est mort. En dessous, peut-être. Mais si on cap là, on est bien si on reste en D. Ah oh, putain, c'est quoi ça? Ouais, je vais virer le laser, c'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Il est en train de me. Oh non! Ouais, tant mieux. L'exclamation BF4, vous les rejoindre. Vidéo. Je sais pas ce que vous pouvez faire. Hop, on va virer le laser immédiatement. Allez, let's go. Attack this objective. On va sur D là. Je vais sur Alpha, moi perso. Bravo. Defend this objective. On arrive sur E, yes. On a récupéré D. Ah, oh, trop con ça. Oh non, putain, je me prends la balle. Ok. I need you to defend this objective. Fire in the hole. T'es où? Je vais spawn sur toi. Je suis à quoi? Let's go, défendre Charlie. Pas besoin de pusher au final.
On est bon. On défend Charlie, c'est fini. Faut faire gaffe qu'ils nous contournent pas par, par les escaliers. Non, par en dessous en revanche. Par en dessous, ouais. Non, nos potes sont déjà sur D quasiment. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah, j'avoue, sur D on peut pousser, hein. Ils ont le contrôle. Non, non, pas trop, pas trop, pas trop. Pas se faire flank comme des cons. Non, on est bon, on est bon, ils font rien. Je vais être sur le côté, sur la droite, là, si jamais ils veulent flank. Ouais, non, il n'y a personne. Bon, vas-y, je vais venir. Hein. C'est l'extérieur qui me fait peur là-bas, là. S'ils passent XT, ils vont prendre le C. Oh non, genre je le tue pas. Parce que là, Alpha Bravo, visiblement, il n'y a plus personne dessus. Hein. Donc bon. Mais genre je le tue pas, mais là. À moins qu'un mec passe en sneaky, mais je pense pas. Là, il commence à y avoir du monde sur le serveur. On va bien se remplir. Et là comme il y a plus de monde. Même les gens de pays, enfin les prochaines phases vont nous rejoindre. Donc il va être référencé de ça. Donc là il va tout le temps être tout. Oh non. On galère un peu, on va faire un truc. Putain, j'ai vraiment un calé de ouf. J'ai vraiment honte. À droite, à l'extérieur, il y a du monde. Ah non, sont... dans mon dos. Ouais, ils sont à l'extérieur. Il y a pas mal de monde à XT. Ouais, je fais quoi comme kill là? Je sais pas kill. J'en garde la BMR. Derrière, ça va être à l'XT là. En face de nous, il va y avoir du monde normalement. Mais qu'est-ce qui m'allume là? Pareil, pas de roquettes. Hein. Si vous voyez des gens qui utilisent des roquettes, vous me donnez le pseudo, c'est qui? Et t'as vu le nombre de personnes? Ouais, ça se remplit. Hein. Et là, on aura des joueurs de partout. Hein. Je vais jouer cette arme-là pour la monter un peu. Là, faut absolument que je la monte. Je sneak en E. Oh non, mais genre je le tue pas quoi, je lui mets une balle. C'est fou l'RPG en face. Alors attends. No RPG, no M3. Bam, on a pris le... On est bon. Oh non! Non! J'ai pas le droit de mourir là-dessus! Elle est bonne la squad, hein.
On est bon en prenant le E, on les a tellement faillés, sérieux. Ils sont tellement dans le mal. Allez, Big Stock, il va bouffer son bâton. Merci, Mathé Rose. Big Stock, je vais passer plus de temps en Alpha. Je vais te mettre les équipes de modération. Quelqu'un s'y connaît un peu en administration, savoir comment se mettre des messages admin dans le chat. Ah, on site. Sur Echo. Non, la roquette. Il m'envoie une roquette. Comment il s'appelle? Portal Krynor. Je le dégage. Je l'ai tué, mais je le dégage. Ah, c'est chiant, hein. Les mecs, on leur dit. Non, pas deux. Attends, c'est l'M320 ça? Non. Attends, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là, celui qui vient de tirer à la roquette là? J'arrive pas à voir son pseudo. C'est nerf. Ah, c'est dingue. Ok, hop, il dégage. Non mais c'est chiant, les mecs, t'as beau leur dire. Quelqu'un s'y connaît vraiment en admin, comment je peux faire un message admin, s'il vous plaît, si vous pouvez renseigner pour moi, parce que ça me saoule. Narto, kill. Lol. Joue au lieu de faire de con là. Mais non, mais je dois tuer les mecs qui la même là. Ah, dommage.
avec ta console. Ouais, faudrait que je regarde. Je sais pas faire. Je sais 1200 pas faire. Tickets, on est bon, on est bon. Ils ont plus que 300, on les défonce. Hein. Ils font rien. Ils ont récupéré le A, cela dit. Je vais claquer un D à la limite. Je sais pas s'ils me considèrent comme admin sur la console. Je sais pas si je suis relié avec la, en tant qu'admin. Donc c'est ça qu'il faut gérer en fait. J'arrive à me mettre admin, vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant je le fais via le truc Mutrado. Pourquoi j'arrive pas à respawn? J'arrive pas à mettre la tête sur le dernier là. Ah, il va rester le monde en plus, ce bâtard. Bien joué, Jumper! T'as toujours pas first quoi, sérieux! Oh non, j'ai plus de balles! Tu peux avec ton BFID. Comment je fais? Je suis désolé. Je regarderai pour la prochaine game. Y'en a un, j'ai l'impression qu'il fait que de me tuer. Et bah... Plus ça pue. Putain, je viens de spawn, c'est horrible de mourir. There's your med kit, pick it up. Objective Delta has been neutralized. Un pote, mon pote. What? What? Foxlit, il shit ou quoi? Here's your man. Go get it. Nique ta mère! Ok, on est bon. Oh, stop de close là. Ah ouais, mais les mecs te raise avant de clean, c'est horrible. Ouais, mais c'est Battlefield, hein. Ils peuvent pas trop voir, ils sautent sur les bonhommes. What? J'ai pas le droit ça, j'ai pas le droit ça, ça j'ai pas le droit. Du coup, j'ai débloqué les bonhommes. J'ai pas le droit! Ah. J'ai pas débloqué de nouveau viseur. Oh non! Le timing. Faut que j'arrive à me remettre dans la game. Le gros choc. Je suis plus du tout dans la game. Mon transfert pue la merde! Oh putain, qu'est-ce que je kiffe ce jeu, Saras. Ça fait du bien, sérieux, d'avoir un jeu où tu prends plus la tête. Ça là. Touche, hein. Là, ça touche. Ouais, hein, ça prend. Franchement, ouais. Le serveur est méga propre, mec. Hein. Ton serveur est méga propre. Je prends un putain de plaisir, là. Ça me rappelle tellement des bons souvenirs. Bah, en fait, c'est un mélange entre hardcore et casual, quoi, dans les réglages. J'ai pas mis un truc qui me fait 10 000 balles pour buter un mec, quoi. Oh putain, là, je me suis pris. J'arrive pas à faire de kill, hein, je connais le même.
certain, dire qu'il y a 64 mecs sur la map et ça saccade pas, ça bronche pas. BF, il le fait bien. Oh le bâtard, tout fait tête. D'où il tombe pas lui? Oh. Yes. Bon, j'ai envie de dire c'est qui le patron quoi. Qui a fait le plus de kills sur la map? On n'est pas encore. Ah non, 57 hardcore, quand même. Il y a on un est 57. Pas vraiment hardcore. On n'est pas vraiment hardcore. Hein. J'ai pas mis le dégât des balles. Hein. J'ai juste baissé la vie à 60% des soldats. On est prêt pour 2042. Ready for 2042. Oh. Allez, amène les wimps. Oui, non, mais c'est oui, ça oui. Qui est bien quand tu prends ton propre serveur, t'as pas de problème de latence, t'as pas de problème de. Bon, les serveurs Nitrado tiennent bien, mais. Je sais pas si je vais. Faut que j'active mon boost. C'est vrai. Quand 50... C'est quand même 58 balles par mois. Et j'ai calculé si je veux faire un serveur BF 2042, ça sera 100 balles. Vu ouais. Que 128 joueurs, c'est pas donné. On a joué dessus hier et il est top serveur. Ah non, ça touchait méga bien. Là, toutes mes têtes, à part la double tête, là, sur la fin où ça me... Ouais, moi, il y en a un, il était en face de moi, corps à corps, et il prenait rien. Ouais, ouais, mais autrement, et non, ils sont parce que j'ai vu, il y a des mecs qui avaient 200 de ping aussi, donc... ouais, c'est possible. Opération métro. Oh, métro. On enchaîne, ouais. on enchaîne, putain. Et après, ça sera des maps ouvertes. T'améliores un peu, je te prends un verre, moi. J'ai fait en sorte que... Tu vois, là, c'est marqué, métro, locker, no M320, roquette et galban. Mais il faut que je trouve un truc pour écrire dans le T'as pas du Conquest Large après que j'ai envie de taper un si, peu si, d'hélico si, t'inquiète, là. T'inquiète, okay, justement okay. J'ai fait deux maps fermées, enfin fermées comme ça quoi, Metro Lockers et trois maps ouvertes, même quatre maps ouvertes. Et si vous voulez rejoindre, c'est BF4 Server Mary, je sais plus c'est quoi la commande, en serveur BF4, voilà. On a mis la commande de Mary pour rejoindre le serveur de Mary, nanana, c'est bon, c'est parfait. Let's go. Je vais continuer à jouer cette arme. En revanche, le rush mode, j'aime beaucoup le rush mode, moi. Avec des smokes et tout, c'est très tactique. Tu vois ce que je... Le mode rué en français, je crois. Ah percé ouais, non, là, ou rué, j'ai mis ou de la conquête je sais pas. Large. J'ai mis que de la conquête large. Bah, ouais, conquête, ouais, ok. J'ai pris les munitions, je vais jouer soutien là pour mettre des munitions un peu. C'est parti, allez les gars. On s'arrête pas, hein. Osef du flagging là. Faut vraiment que j'arrive à monter cette arme parce que... Ah, il y a des gens qui jouent à la smoke, c'est bien, c'est parfait, c'est parfait. Non ! Pas de M320 ! Cubasiem, tu le dégages. K-U-B-A-S-I-E-M. Attends, répète-moi, j'ai pas bien entendu. K-U-B-A-S-I-E-M. Kilo, K-U-B-A. Uniforme, bravo, Alpha, Sierra, okay, India, okay. Echo, Mike. Je vais le trouver, je vais le manger. Ça va être dur, cette map elle est relou quoi. Claquer du 55 kills là-dessus là, ça va être relou quoi. C'est trop random, les gens attendent comme des putes et c'est fini quoi. Là je peux attendre là et rester 3 heures et c'est fini pour eux, ils font rien. Et je fais des kills et j'ai un KD positif quoi. Ça c'est pas... Super dur. Allez, heal là. Le res. Ce serait pas mal. Le res. Voilà.
Ah, lui, il est encore plus M320, le TW. Vas-y, il est ban. On va rien faire si on y va pas tous ensemble. Faut faire une pushée là, faut faire un push ensemble. Les gens ils vont être là, ils vont faire leur kill. J'ai fait 55 kills, ouais, t'es sur métro mec et t'as pas bougé. M320 trop fort toi, M320 trop relou en fait. Là on n'est pas obligé de bouger, on le prend et c'est fini quoi. Ah, ils prennent le B en revanche. Ah ouais, carrément, on a perdu Bravo. Débloquer l'ascar. Ah, c'est elle que je vais jouer. Dès que je meurs, là. Je sais pas comment faire ce coup. Je sais pas comment on fait pour blacklister les armes. Faut que je me rappelle. Non, non, venez pas sur moi là. T'inquiète pas. Ouais, mais j'ai réapparu sur toi comme un con. Non, serveur, ça c'est pour rien. C'est pour les formations de l'autre. Du coup, on va prendre la nouvelle arme qu'on a débloquée. Putain, mais faut profiter de mon push là, j'étais bien en bas, je fais un petit ancrage et tout, derrière faut pusher quoi, si les gens ils restent en haut ça sert à rien quoi. On va récupérer le B au pire. Ouais. Oh merde, putain, ouais, la muse. Ah, je suis trop con. Ça va faire que de wait comme des gros fils. Ah bah là c'est des petites lignes, hein. Ça va être horrible. Ah, oh, c'est que de la wait. Ouais, les grenades ça va encore. Ouais. Tu veux pas la changer de map? Fais un change map là. Hein. Franchement, métro elle est relou. C'est no skill quoi. Tu peux changer la map ou pas toi? Je sais pas. Bah si. Non, je peux changer la rotation mais je sais pas si je peux changer la map. Bah tu non, peux non, faire. Mais Non, elle est nulle, enfin, sérieux, métro c'est relou quoi. Les gens vont pas vouloir pusher ensemble. À la limite, si on était une squad ensemble, ça pourrait être drôle quoi. Mais là, ça va pas jouer les objectifs. On avait le B, on pouvait rester là et on avait gagné. C'était fini. D'ailleurs, là, on peut rester et on a gagné. Bah, gagne-nous alors. Hein? Oh non, non, non. C'est quoi ça, cette arme de bulldog? Bah ils vont faire que ça hein. Ah ils vont faire que ça. C'est pour ça qu'elle est relou cette map. Elle est mignonne au début quoi sur BF3, c'est marrant mais... Mais après c'est vite relou quoi. Bah y'a pas de skill quoi. Bon bah vas-y, on va jouer les points. Oh là là.
C'est chiant en métro. Arrêtez de mettre en exclamation serveur, c'est point d'exclamation BF4. Ah non, non, dans mon dos. Pris le 1. Ouais. J'arrive. Pousser cet objectif. M32 MGL sur Puppy TG. Tu peux l'enlever lui, tu le bannes. Un Puppy. Puppy P-E-P-P-Y. P-U-P-P-Y. Vas-y, dégage-le. Tu le dégages, banal à vie. Il est... Non, il est kick. Voilà, c'est ça, métro. Sur A, il y a encore du monde. Il y a encore un mec sur A, poulet, derrière toi. Ok. Voilà, je t'ai envoyé une commande. Ah oui, tout le monde, non ? Tu l'as eu ? Non, je sais pas où il est. Ah, merde. Je l'ai eu. Enfin, je l'ai... Ah non, c'est un équipement que j'ai eu. Ah, il plante comme une merde sur mon cadavre. Oh le bâtard. Il m'a... Ouais, ouais. Il m'a tué dans les stairs. Cobra VPR, faudrait que je regarde un petit peu. Je l'ai... Faudrait que je regarde dans la setup. Ah, c'est du hardcore, mon temps. C'est pas vraiment du hardcore. Ouais, c'est un peu hardcore. J'ai quand même la map, j'ai quand même les coups sur la map. C'est un... Il y a juste... Ce qui fait le truc hardcore en fait, c'est qu'il y a que les... La police quoi, sérieusement ? J'ai fait un hybride en fait, c'est un hybride. C'est quoi ce reste à deux balles là ? C'est un hybride. Il y a encore un mec hein, en haut. Ça va être dans les étages là, ils vont y aller en A comme alpha. Le mec il est depuis 2 heures, on peut aller le tuer. Ah, j'ai eu un assist, ça doit être mon arme. Mais il est pas tout seul. Parce que ça proc encore et ça proc toujours d'ailleurs. Ah, j'y vais, personne n'y va. Eh non mais il y est tranquille mec, c'est cool. Là. Putain, les deux sont morts. C'est bon. Dégage. C'est bon, normalement. Mais on a perdu beaucoup de temps. Oh, mais ça tire sur qui encore là? Stop de tirer là. Ah,
Parce qu'on a perdu du temps. Et on a perdu le bravo. Oh, et puis là pour reprendre c'est relou. Ouais, en B, en B, en B. Au niveau des lockers, là, sur le côté gauche, c'est bon. Ah, bâtard. Je te dis. Non. Non, non, il a une infrarouge et tout, mais c'est pas grave. Let's go, let's go, let's go. Ouh, elle est bête. Merci mon pote. Ta-da-da. Let's go. On reprend le B là. Nice. Ouais. Non, plus le reste. Putain, je suis en train de rater la tête. Hein. Le reste, le reste, le reste, le reste. Il part maintenant. 3, 2, 1, let's go. Ok, c'est pas trop mal. Là, on fait un bon push. Mais pas trop mal, ouais. J'ai trop cheaté cette nuit. Ha la tête qui vient dépasser. J'utilise la perspective. Hein. Let's go. Vas-y, je pousse. Mais non, mais c'est un truc de fils de pute, ça, pareil. Non, non, mais avec un mec qui triche. Non, mais pas toi, pas toi.
Pareil, Blast machin là, je sais pas comment il s'appelle. Les robots avec la lumière, c'est vraiment un truc de bâtard ça. Oh, je suis trop con à gauche. Ok, ok, ok. Oh, il fait mon coup quand même. Ah ouais, dans mon dos, attaqueur à mon avis. Tu peux. Cubassième, tu le bannis à vie lui. Cubassième ouais. Là. Ouais, encore. Je le... Attends, je me mets à l'abri, je fais mon kill. Merci infiniment, oh. Rival Coated, pour les 2 mois de frascolarité, hein, mon spoulet. Vous êtes des putains de trop. Désolé, je suis hyper concentré. Comment? K-U-B-A-S-I-E-M. Ok, je l'ai ban. Il est pas kick, hein, je l'ai ban. Oui, bah non, bah c'est la deuxième fois, c'est bon. M320, le mec il fait que ça, bon. Pas M320, le MGM. Il dégage! Du coup, ça fait une place. Alors, de toute évidence, c'est que sur métro et locker. Quand on aura les maps ouvertes, on pourrait faire tourner. Oh là là, ça campe à 3 km avec des snipes et des lunettes. Ah non, il est pas là. C'est le EO des bots. Ouais, je sais, c'est mais bon, ça, c'est relou quoi. Avec la lampe torche et tout, c'est vraiment un truc d'enculé. C'est vraiment pas super skillette quoi. Bro, à l'étage sera, il a dit. À l'étage sera. Oh, j'étais chaud, j'ai fait la moins 4. Sera. La barre toute seule. J'ai fait la petite moins 4 qui fait plaise. 31 kills. Oh, je la rate, je sais pas. Je joue pas trop, beaucoup. Je vais tenter de passer sur la gauche. Ah merde, putain, j'aurais dû rentrer à couvert. Je pense qu'il était tout seul lui, hein. Ah non, y'a un mec qui vient de mourir à côté de moi là. Ah merde, je vais aussi me sur A. Mais y'a du monde sur A, non? C'est bon, je l'ai pris. Ok, bien rush. Je pense qu'il y a plus personne. Il y a un truc qui fait du bruit là. En bas. Presque dans notre spawn en fait. Dans la rue. Ok. Au niveau de notre spawn. Okay. Ah, je sais pas, ils sont dû mettre un truc de réapparition. Ah oui, je le vois. Oh, je le fais. Bien joué, il l'a eu. Y'en a un autre. À l'étage. Je crois. À l'étage ou en bas du bâtiment, pas sûr. Hop là, il est mort là. Oh non, merde, putain. Vas-y, on va la gagner. T'as un pote, mon pote. Y'a du monde encore à l'étage, hein. Ok, je suis en dessous. J'attends qu'il jump. Ouais, je l'entends au-dessus de moi. Ok, en face. Non. Je suis toujours sur A. Il y en a un de l'autre côté encore, mais ils nous font chier, sérieux. Je sais pas où il est leur. J'en ai buté un sur A là, à l'instant. Il y en avait un autre. Dans l'autre bâtiment, il y en a un encore. Ah ouais, j'ai. Mort. Il y en a peut-être un autre. Ok, en bas du bâtiment. J'ai cru voir un mec. Oh, ça vient d'où ça?
J'ai tué un mec en bas. Je lâche un. A priori, ça se joue sur C là. Ah ouais, c'est la baston sur C là. C'est bon, aïe, j'ai découvert le truc. Je me disais, il y avait un problème là. Ah, il a pas aimé la tête dans la smoke. Bam 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 bam. Da 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 da. Bon, un petit 35-17, c'est bien. Je suis fier de moi. Ouais, c'est pas mal. Mais 41-16, c'est mieux quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, appuie sur un zer. Mary a créé son propre serveur. Ouais, ouais, il a payé. Ouais, 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 c'est exactement ça. Ouais, oh, mais il est joli le son, le crâne. Mets-moi les droits admin pour les kicks. Mais Pong, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment je te rajoute admin du serveur. Mais là, t'as une console après, parce que si tu fais. Tu dois. Oui, mais en fait, je sais pas lier. Sur mon serveur là, je suis considéré comme un joueur en fait. Et moi, en fait, je passe par la plateforme Nitrado. Donc, c'est une page internet qui est ouverte. Et je voudrais savoir comment relier les deux en fait. Ouais. Enfin, je ne sais pas comment rajouter le rôle à quelqu'un. Hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère. Ouais, là, c'est sûr. Zavod 311. Ah non. Oh, on va s'éclater là. On va s'éclater. Alors là, l'hélicoptère, tu vas kiffer. Tu vas kiffer le sniper. Moi, je vais prendre le sniper. Non, je vais rester là, des merdes. On va déclencher le mégalodon. Directement avec Nitrado, avec les idées, tu pourras. Little Bird, c'est pour moi, les amis. Et les VIP. Personne ne joue à ça. Là. Manage. Non, prune layer, c'est quoi ça? Prune layer. Installe. You need to download another to download button before directly with the game. Attends, installe. Je vais installer ça. Je sais pas ce que c'est. Download prune. Ah, c'est peut-être ça alors. Attends. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a la conférence de 17h non? Ouais, il est quelle heure d'ailleurs? 27, ouais. On va peut-être pas aller jusqu'au bout à celle-là. Bouge pas, ma p. Normal, oh, personne ne prend le Little Bird, c'est bon. Je leur montre un peu comment on pilote. Oh, je vais leur faire voir d'où vient le pseudo. Alright, motherfuckers. It's time to roll. Merci. J'ai un truc qui s'appelle Airphone qui m'installe. Un petit problème de sensé là. Ouais, mais le problème Storm, vu ce que tu m'avais envoyé, c'est qu'il n'y a plus les liens, c'est updated, ça date de 2014. L'autre il a pas vu que je tombais. Mais je ne vois pas Wang, je ne vois pas le truc à rajouter. Il est en face point ou pas? Ah non, il est pas en face point. Ah si, page d'aide pour les administrateurs, montre autre chose.
Si, 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 là, il y a le droit au RPG, il y a le droit à tout, là. Oh, j'ai juste envie de me marrer avec l'hélicoptère. Connectez-vous au serveur avec votre mot de passe. Ah non, c'est pas ça. Commande admin. Bah après, tu peux commander avec le... Tu peux clairement commander avec le... Je vois, mais... Définir le mot de passe administrateur pour le serveur. Je vais faire ça. Alors attends. Et du coup, je te donnerai le mot de passe. Mais je sais pas si tu pourrais y accéder. Ouais, tranquille. Ah oui, Pompong. Le bateau à droite, il est trop fort, ça. Je sais pas s'il a été nerf, mais bon, il était tellement strong avant. Ouais, il y a une conférence. On l'a vu sur Twitter, la conférence. Mais non, mais quel est le fils de tup là? Le Little Bird est pour moi. Oh non, du coup ça me fait spawn à Bubble Web là. Ok, ça a marché. Quand je vais aller en DM. Tu peux me DN Discord pour Hank et je t'envoie ce que j'ai mis comme password pour les l'admin. Oh, j'ai juste envie de faire un Little Bird. Envoie-moi un DN Discord. Le mot de passe, c'est celui qui est entre les crochets. Hein. Et aussi, c'est belle. Et là, ça a mis cette action est successful. Donc ça doit être connecté au... Et après, pour mettre un message dans le truc, je sais pas comment. Mais c'est quoi. Alors, login. Hélico! Mon cul au serveur. Train, mais stop! Attends! Ah voilà, nice! Il est sympa lui. Let's go, on leur montre. Ah, mais c'est le Z11 que j'avais pris tout à l'heure? Attends, il y a deux hélicoptères? Coller the shell. C'est bien, t'es sympa. Bah, je vais cacher ce que j'avais fait en fait. Ah, j'ai pas de heal en fait. D'accord, c'est ça l'idée. J'ai pas un seul heal. Ok, les gens viennent avec moi, mais j'ai pas de heal dans le Little Bird. Oh, et là c'est impossible d'aller give up, d'aller se planquer et de se soigner soi-même quoi. C'est pas possible. Mais j'ai envie de faire que ça. La 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 la. Là ça marche pas. Hein. J'arrive pas via la console direct, j'arrive pas. Mais là c'est les bateaux qui sont trop strong. Mais qui sont vraiment, 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 vraiment trop forts. Celui-là, là, c'est vraiment une bombe, lui. Mais il fait ce qu'il veut, lui. Ça, c'est pas normal, ça. Je comprends pourquoi dans la console, ça marche pas. S'ils ont les bateaux, ils ont la suprématie aérienne. Ils ont la suprématie aérienne, ils ont tout. C'est terminé. Allez, on va prendre ça, c'est pour rigoler. Non mais sérieusement, je meurs là-dessus, oh non, y en a un qui est en train de se planquer quoi. Ouais, moi je suis mort aussi. T'es mort comment? Oh, ils ont pris Little Bird. Merde. Je sais pas, je vais regarder pour la conférence du coup.
vais juste aller regarder ça. Je vais aller regarder là. Et normalement, le lien... Je crois qu'il était... Bah, c'est twitch.tv/battlefield de mémoire. Hein. Tout simplement. C'est twitch.tv/battlefield. Attends, on va regarder. La la la. La 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 la. La la. La la. Là. On regarde ça en live. Oui, c'est ça. Je l'ai tweeté du coup. Et ça doit être ceci. Il est quelle heure là? Ça va commencer? Non, mais je regardais si le live était activé, tu vois. Ah oui. Attends, je vais faire pipi, j'en peux plus. Non, 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 il est pas activé. Enfin, il est pas... C'est pas lancé. Il y a rien lancé pour le moment. Déconnecté, machin, un truc. Voilà quoi. On ira voir ça tout à l'heure. Voir ça tout à l'heure. Ah, oh, Little Bull n'est pas mort encore. Et le Venom. The Mary, j'arrive. Bah, c'est normal. Trop content, quoi. Allez, défonce-le, toi, je te fais un petit... Mary, je te chope ou quoi? Mary! Allez, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Putain de bateau, mais ça fait trop mal ces bateaux de merde. Hein. Merci pour le heal, merci pour enclé de mon. Je regarderai pour les trucs admin, je regarderai en off comment en fait. Je regarderai en off. Non, on la prend pas, on la prend pas, on la prend pas, on la prend pas, c'est impossible. Je vais pas enfler flair. Bah, je vais aller te chercher. Non mais c'est les... C'est cette map, elle est sympa, mais les bateaux sont trop fumés quoi. Je t'amuse pas quoi. Cette map, je l'adore. Hmm. Ouais, faut que je joue sniper ici. On va prendre le sniper. Ouais, elle est jolie comme map, mais elle est relou en finale. Je vais juste prendre la frontière. Elle est relou, ça va. Non mais toi tu trouves tout relou, hein, t'es relou. Hein? Tu trouves tout relou. Non 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 mais celle-là elle est sympa mais les bateaux sont vraiment trop puissants quoi sur parcelle, je trouve. Donc elle est mignonne, elle est cool tu vois mais... Je vais jouer A moi. Lequel a été proc? Et là tu vois personne va prendre le Tunguska. Ça va nous mettre dans la merde. Je sais pas lequel il a pris. Vas-y, je vais reprendre ça. Pour le moment, je m'amuse. Juste en pilotage. Et personne ne va prendre la suprématie aérienne, quoi. Y'a personne qui va prendre le Tunguska, et du coup, c'est la merde. Si on n'a pas la... On est en train de prendre A, dans notre bac. Ouais, je peux rien faire, quoi. Y'a personne qui peut prendre des trucs anti-aériens. Ah non, et du ramming. Tu peux bannir les mecs qui rament, là. C'était le mec qui était dans l'avion. Ah, j'ai pas vu du coup. Comment ça qui rame? Qui rame, RAM, c'est les personnes qui font du ramming, c'est les personnes qui te foncent dedans avec leurs avions. Ah, ça je déteste. Ouais, mais j'ai pas vu qui c'était du coup. Ah, ça je. C'est comme les mecs qui prennent un hélicoptère juste pour se aller sur un point. Endroit. Ouais, ouais. Genre, ils prennent l'hélicoptère et ils sautent en parachute pour accéder à un point.
Et bah super, le mec qui veut jouer hélicoptère derrière pour le support et tout, bah il peut pas. Mais trop sur BF4, oh c'est pas la meilleure sérieusement. Moi j'aime bien Zavod, j'aime bien Zavod 311, j'aime bien Metro, il y a trop d'endroits, voilà quoi. Locker est vraiment bien je pense. En termes de FPS pur, Locker c'est la meilleure je crois. Les gens qui étaient là sur Twitter à dire « Ah, mais j'espère qu'il y aura métro sur BF 2042. » Ouais, bon, verrou que le cœur, c'est pareil. Là. Non, mais il faut la lâcher. Ouais, c'est juste Shanghai, bien. Bah, allié, je l'ai mis, Shanghai. Ah ouais ? Ouais. Shanghai est cool aussi. Hein. Mais là, c'est le truc, c'est que personne veut prendre les trucs anti-aériens, donc, et personne veut prendre les bateaux. Mais si t'as les bateaux, c'est fini après. Hein. Là, enfin, là, faut prendre les véhicules, comme d'hab, quoi, de toute façon. Moi ça me fait marrer d'être en transport de troupes. A droite il y a du monde. Ah, il y a le Tunguska qui est là. Voilà, eux ils le prennent. Donc on va se faire défoncer. En deux secondes on va se faire défoncer. Hop là. Il n'y a rien à faire parce qu'ils vont pas le chercher. On sait pas d'où le Tunguska sur le côté. Ouais, normal. Le Z11, personne ne prend les anti-aériens. Et du coup, il y a zéro suprématie, quoi. Et du coup, on doit se faire défoncer. Ah non, ça va. On a plus de tickets. Flout Zone est pas mal aussi. Ouais, j'aime bien Flout Zone, ouais. Ouais, parce que tu... Ah ouais, ouais, vraiment, ouais. Avec le Little Bird, tu peux vraiment aller te planquer. Tu peux vraiment jouer derrière les trucs. Là, c'est ridicule, en fait. Enfin, d'un point de vue... D'un point de vue aérien, si les mecs veulent pas prendre les trucs anti-aériens, tu fais rien. Regarde le Tunguska, là, qui est en train de se balader depuis tout à l'heure, là. C'est insane. C'est vraiment insane. Ah, et puis les avions, c'est mort. Objective Delta is now neutralized. C'est exactement ça qu'on voulait faire. Déjà. Et derrière, on peut parler. C'est hallucinant qu'ils soient restés en vie si longtemps, quoi. 16h42, ça va commencer. Ouais, c'est vraiment véhicule lente celle-là, quoi. J'ai préparé le tweet, j'ai préparé le truc. Désolé, du coup je joue pas. T'inquiète. Je vais aller dans un bateau, je vais prier avec Dark. Ah ouais, eux ils ont. Ils peuvent s'amuser avec les hélicos et nous on se fait défoncer. Du coup c'est pas drôle. Merci à lui, mon zéro, t'as un monstre. Ok, j'ai eu un mec dans un hélico. Vraiment. Ok, j'ai eu l'hélico. Ok. On me demande, moi je suis là pour... Mais là si on récupère pas eux, en plus ils peuvent avoir double hélico. Attends, hein. Je peux récupérer leur hélico. Ah bon? Ah non, il est... Et nous notre Little Bird, là il arrive quand? Ah on l'a le Tunguska, donc ça c'est cool, si on peut récupérer ça. D'ailleurs moi je peux m'amuser de l'autre côté. Merde, ça vient d'où ça? Oh putain, il a le DV. Moi je cherche pas à faire du kill, moi je cherche juste à m'amuser en hélicoptère. Mais visiblement c'est compliqué. Ah. Il ouais, y a des hélicos là. Il y a le AH. Non. Ouais, Little Bird. Il y a le AH. Dommage. Faudrait aller en E, ce serait pas mal. Je suis avec toi. Mais t'as toi. Un ingénieur? Non. Bah, ça sert à rien de venir dans un appareil alors. Écoute, conduis. Et je te. Où est-ce que tu vas avec l'hélicoptère? Bah, je vais aller prendre le E pour avoir un autre hélicoptère. Là tu fonces dans un bateau là non? Non. Ah ouais, bien vu, oh là là, quel pilote.
tué, j'en ai eu un. Ah ouais. Mais putain, mais c'est trop relou, sérieux. Une seule balle, une seule balle en pilote et tu meurs direct ça, sur le hardcore. Et j'ai pas le... Je suis mort, hein. Je suis mort. À chaque fois, je me fais tuer. Hein. À chaque fois, je me fais tuer, du coup. Attends, je vais le prendre. Fais F1. Enfin, faudrait que Firestorm, il le comprenne, là. Faudrait qu'il fasse F4. Fais F4, poulet, fais F4. Fais F4. Nice, t'as un boss. Attends, faut que je le récupère. C'est toi, Théo. T'es mort? Oh ouais, attends, j'ai pris un génial. Ah, excuse-moi, poulet. Vas-y, viens, viens, viens. Déploiement, 6-4. Ok, je suis là. Je suis en copilote. Mais je peux rien faire. Bah, non, c'est que du heal ici. Tu heal, En fait, là, tu heal. Ok, mais je peux pas, je suis à côté de toi en fait, en train de. Ah non, toi, en deuxième, tu peux pas, non. Faudrait se séparer de lui là, il est en train de marcher. Il est en train de heal. Comment on fait pour changer de place? Ah, il est peut-être full l'hélicoptère. On est lock. Je te vois, c'est comme un. Pas de rami, pas de rami, putain de poulet. Lui, il prend un ban autrement. Deux fois qu'il fait ça là. Ouais, ouais. C'est pas RP ça. Bah non, mais c'est relou. Ah, il a dû prendre un hit là. Bon, vas-y, laisse tomber. Tu conduis à la souris et tout là? Ouais, souris toujours. T'es chaud, quoi. Thanks, much appreciated. Il assure 6-4. Que ça, je me fais que de me faire tuer. Ah ouais, tu t'es fait one tap. Tout le temps. Mais c'est trop relou sur cette map en plus d'avoir le hardcore sur du Conquest Large, c'est vraiment relou quoi. C'est pas vraiment le hardcore, mec. C'est un. N'importe quelle balle, tu meurs. 60 HP, t'as en fait. N'importe quelle balle, tu meurs du coup. Attends, j'ai regardé le truc. On peut pas s'amuser avec les hélicoptères, ça me frustre. Après, c'est cool en CQB, mais sur ce genre de map, c'est absolument désagréable. Du coup, personne veut prendre les hélicos maintenant, tout le monde a compris. On se fait perma. Bah, permaloc en fait. Je sors de la base, y'a rien, on a pas de contrôle. Bon, c'est relou. Alors attends. Après, non, celle-là elle est vraiment, vraiment bien si tu prends le gros bateau là. Lui là tu t'amuses bien ouais, quoi. Il est vraiment insane quoi. Le Tunguska, tu vois, le LAVD personne veut le prendre quoi. Enfin, ouais, je disais Tunguska, mais. Après, c'est vrai que c'est chiant à jouer, mais. Je vais prendre le RCB. Hein. Vas-y, j'ai un gros. Ça rame encore. Les mecs rament à mort en fait. Tous les mecs qui sont dans les avions se rentrent dedans quoi. On va faire le taf que les gens ne veulent pas faire du coup. Moi je suis dans mon bateau là. En fait ils utilisent des véhicules n'importe comment. Au revoir. Non, c'est pas ça, c'est que y a une logique dans le jeu de une classe A nique une classe B qui nique une classe C qui nique une classe D. Si personne ne prend l'anti-aérien, on peut pas avoir la suprématie aérienne, c'est fini quoi. Hyper compliqué, c'est pas l'hélicoptère qui va se défaire d'un chasseur quoi. Surtout quand les mecs ram, enfin, te rentrent dedans quoi. Bélier quoi. Attends, je vais baisser un peu parce que je suis en train de péter les oreilles de tout le monde, je pense. Yes. Le gameplay passionnant. Ah, puis ça tombe trop vite quoi. Les véhicules ils tombent en 2 secondes, ça. Les mouches quoi. J'ai défendu A comme un chef. Oh là là. Je sais pas si on peut nous réparer le bateau. Okay. Attends, je vais essayer de le réparer.
Oh non, l'avion de chasse, putain. Il était l'heure 49. C'est quoi la page? Tu peux m'envoyer en DM la page, s'il te plaît? La page Twitch de Battle. Non, non, je dois la voir. Ok, je l'ai. On va pas bah, les peuvent venir. Hein. T'es où 6? Je fais des marches avant et des marches arrière. Ouais, non, je peux pas te rejoindre. Je fais ce que les gens auraient dû faire depuis tout à l'heure. Le HU, il y a l'hélicoptère Venom là. Tu veux le prendre? Je suis dedans. Je suis dedans, mais je décolle pas parce que c'est la passe. Parce que moi, je vais avoir un accident. Voilà, ils sont enfin venus faire péter mon lab. Ils ont enfin compris et du coup, je me le fais ninja en plus. Je l'ai, je le donne. Ah, mais je viens de comprendre, c'est inversé moi, mais. Dans l'avion? Non, l'hélicoptère, je viens de comprendre comment on le pilote en fait. Merde. 6-4, je viens de chercher un hélico. Voilà, 10 kills en lave, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, mais bon, faut le faire quoi. 6-4, t'es où? Je suis mort, poulet. J'étais obligé de prendre l'anti-aérien parce que personne ne joue là. Je sais pas, je vais essayer de prendre un hélico. Bah, j'ai un hélico, viens, faut que tu prennes le pilote. Ah, bah, je peux pas spawn sur toi. Alors attends. Y'a un mec qui doit être. Non, mais ça doit être plein. Ah, tu te fais défoncer là, mec. Ouais. Sur les véhicules, t'as baissé aussi les HP ou pas? Non, on peut pas. Ah bon? J'aurais aimé. Ah, bah non. Je suis à la base 6. Ça sert à rien, il y aura toujours pas de place. Hein. Bah non, mais c'est pour te. Où tu pilotes. Ah, ok. Vas-y. Tu remontes? Ouais, attends. Ok, je suis à la tourelle, c'est bon. Thanks. Oh non, qu'est-ce que tu fais? Putain, tu me fais peur. Hein. Toi, c'est inverser la souris aussi, genre tu dois lever la souris pour descendre et monter la souris pour. Ouais. Non, j'arrive pas à ça. Bon, après, tu peux le mettre en normal. Hein. Ouais, on va aller prendre l'écho. Vas-y. Pour être rapide. Bah voilà, one tap, faut heal. Allez. Ça y est. J'ai pas de visu sur les mecs. Bah là ça va vite, quand on cap au moins ça fait ça on prend 2 secondes. On est lock. Tu gères trop bien le pilotage hein, c'est un truc de ouf. Je sais pas où il est le mec. Vraiment il le gère très bien. Là y'a un mec qui arrive, y'a un bâtiment qui arrive. L'hélico, un gros bâtiment qui arrive. Ah non, tu pilotes vraiment, c'est vraiment agréable en fait. Mais on se fait défoncer là. Le bateau. Bah, il est trop puissant le bateau quoi. Mais je te l'ai dit, tu prends ça, c'est fini. Il a tout, il a la protection, il a la lunette thermique. Vas-y, il a. Je le pique. Ah bah tu. Non, mais le bateau, je t'ai dit, prends le gros bateau, c'est fini. Hein. Tu fais grave 2 kills avec. Hein. C'est insane. Vas-y, je prends le RCB encore. J'ai tout donné en heal. T'inquiète. Merci Pong. Non, mais c'est horrible. Mais wesh, apprends-moi, tu gères trop bien avec la souris. Ah non, mais il y a trop, trop d'heures. Il pilote vraiment très bien. Moi, j'ai hâte d'être sur 2042 et que tu pilotes correctement. Ah, ça commence. La conférence? Ouais, ils ont démarré le live. Enfin, ça fait juste le stream. Et encore, là, j'ai pas fait de kill, quoi. Putain, j'en peux plus, quoi. Les mecs, sérieux, permafocus, quoi. Rien faire.
Ok, il y a le bateau. Qui nous a buté tout à l'heure. Je peux rien faire, je drop mon Little Bird en plus. Ils ont droit au spawn kill ? Bah oui, c'est pas du spawn kill pour le coup là, mais... Mais ouais, c'est trop relou, le bateau, personne ne fait rien. Non, quoi. Mais genre... Notre gros bateau, personne ne le prend, je suis sûr, tu vas voir. Regarde, regarde, on est spawn kill direct, quoi. Super, trop drôle. Mais genre, on peut pas... Super, trop drôle. Vas-y, t'es pas rentré dedans. Ah, ça c'est horrible. Allez, let's go, moi je quitte. Altef4, ça a commencé ou pas ? On va afficher le stream. Ouais, c'est en waiting, mais comme ça commence okay. 5 minutes, commence à... J'arrive. On peut même pas s'amuser, quoi, en hélico. Donc on va approcher de là-bas. On va balancer. Hop. On va nous afficher, bien évidemment. Il y a du monde là. Je vous le mets sur les côtés, les amis. Hop, c'est affiché. En grand, on met son. Un ramming encore. Vas-y, let's go. Du coup, let's go. Elle est relou, cette map. Elle est vraiment relou. Enfin, elle est sympa, mais vraiment, elle est, comme je te l'ai dit dès le début, elle est vraiment sympa que pour les bateaux, quoi. Après, pour les hélicoptères... Pff. Allez, let's go. J'espère que c'est... Il n'y aura pas de problème de time. De son, pardon. Ah. Hop, c'est parti. C'est tweeté. Alright. Ah oui, il faut mettre la catégorie. On va mettre la catégorie... Ben, on va mettre la catégorie BF 2042, hein. En vrai. Ou événements spéciaux ? Non, on va mettre BF 2042. Hop, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Reconversion sur ce jeu ? Ah bah ouais, grave. Moi, Battlefield, c'était là bien avant Rainbow Six pour le coup. Tu pourrais nous clairement. Faire une traduction si jamais il... Oui, je le ferai en français. J'arrive. Yeah. Je vais me rouler une petite clope en attendant. You, Riggs, FR, Zugzugiz. Bon, et je regarderai un petit peu de plus près après pour les paramètres admin et tout du serve. Je voulais faire quoi. Hop, voilà. Ben là, on est prêt. Hein. On est prêt. On va se rouler une petite clope. Et puis. En train de check pour le aircon. Ok, merci beaucoup. Bon. Ouais, je regarderai ça en off. On pourra faire des tests à la limite. Mais c'est vrai que j'aimerais paramétrer le truc un peu mieux, quoi. Sous mes yeux. The stream will start soon. All right. Alors je sais, je pour le coup, je ne sais pas ce que va présenter cette conférence, enfin ce stream. Est-ce que ça sera des questions-réponses avec les devs ou en tout cas les devs qui présentent leur jeu? J'ai aucune idée. Voilà. Est-ce qu'on va avoir du nouveau gameplay ou est-ce que ça va être le même gameplay qu'hier? Je suppose qu'on va voir peut-être du nouveau gameplay quand même. Et ils vont certainement faire des annonces pour les bêtas, les trucs comme ça, je pense. On va bien voir. Une grosse fac. Ouais, je pense que ça va être une fac, ouais. Oh, ça commence dans une minute, mec. Let's go. C'est parti. Je mets en mode no cam en attendant. Ça fait plaisir, ils ont gardé la thématique sonore ouais. un peu à la Terminator. Hein. Tom, tom. Ouais, elle est vraiment bien. Pom, 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 pom.
parti. Alright, motherfuckers. Avec ou sans le chat? Avec le chat. Merci d'avoir regardé. Hey folks, lovely to have you joining us and welcome home to the battlefield. Bienvenue sur le Battlefield. Quel week-end ça a été pour tout le monde. Vous le savez que la guerre mondiale arrive le 22 octobre. Bonjour. The gang from across Dice. We're here with you for the next while we look back at everything that we've revealed this past week. Now, to keep things as safe and responsible as possible, we are pre-taping this live stream so that we can spend as much time as we can talking with you and taking you behind the scenes. But please do say hello in the chat. We're all watching live along with you from Merci Amherst. Infiniment, 27 mois de super étudiante à Armand Spoulet. Merci Jimmy aussi pour les 3 mois. Bebou Babe, 10 mois de frais de scolarité, j'avais complètement oublié. Bourrico, 2 mois de frais de scolarité, putain j'ai rien vu. MLB Drap, 2 mois de frais de scolarité, putain j'ai vraiment un trou du cul, je suis vraiment désolé, j'étais concentré dans mon truc. Merci les amis, vous avez démontré. Salut, moi c'est Jean-Paul. Je suis à moitié viking. Il est beau gosse, ouais. Il est beau, hein. Daniel and I have agreed. Daniel et moi, next big milestone. I can finally drop this thing, so we just need ouais, to ouais, hurry. Ouais, ouais, milestone, right? And then we should be all good, okay. Back to normal. No pressure. Attends, vais... no pressure at all. So let's get started then. 2042. 2042. Un nouveau setting pour Battlefield. Vraiment très excitant. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? Ça fait partie de ces moments où je me récupère. Enfin, je me rappelle parfaitement. Merci Landy, 14 mois de frais de scolarité, t'as mon poulet. Merci mon poulet. On a regardé 12 concepts. J'essaie de trouver le bon son. Ouais, ça doit pas être facile pour toi de. Ouais. And then we got to this thing that we on est arrivé plein dans le concept, dans le futur, on a eu des concepts dans le futur, on a eu des concepts contemporains, et puis après on est arrivé à ce truc-là en fait. On a senti que c'était ce qu'il fallait. Non, je te coupe deux secondes, sinon pour mieux t'entendre, enfin pour pas t'entendre, coupe ton retour. Tu t'entendras pas, et peut-être que ça sera peut-être plus simple. Non, t'inquiète. Okay. Faut juste que tu fermes ta gueule. D'accord, ok, non, ça marche. Moi j'ai coupé ma caméra, là c'est toi qui anime tout. Ok. Yeah, I mean it's a big one for us. I mean multiplayer is what we do best and yeah. We've done le multijoueur c'est ce qu'on fait de mieux. So, you know, in Battlefield 24 dans Battlefield 2042, on aura trois styles de jeu. Le Conquest, le Breakthrough et sur 128 joueurs, ce sera des maps assez énormes sur lesquelles on pourra jouer. Yeah, because there really is so much more to this journey. Mais il y aura vraiment beaucoup plus de choses que par le passé sur ce Battlefield 2042. Daniel, beaucoup de changements qui arrivent sur le mode Conquest. Yeah. Conquest has had some significant changes to meet this. Il y a eu des changements pour arriver sur ce qui va arriver en 2042. Bien sûr. Ça a été un pas en avant. On jump à 128 joueurs. Donc il nous faut forcément des maps beaucoup plus grandes. On ne peut pas juste copier ce qui existait par le passé. On est obligé de réinventer l'approche, les phases du jeu. Ben oui, c'est ça. Il fallait qu'on encapsule l'essence de Battlefield, mais avec ce nouveau concept. Et on a un nouveau concept qui s'appelle Clusters. On a cette map qui s'appelle Hourglass, par exemple, qui est vraiment absolument exceptionnelle. Cette map, elle parle justement pour de ces changements qui arrivent. Elle est très parlante. On peut l'imaginer que c'est un grand battlefield, mais il y a plusieurs battles en fait. Il va y avoir des gens qui vont être en bataille dans le stade, des personnes qui vont être dans la ville. C'est des clusters en fait, c'est des zones de combat, des clusters. C'est génial. Bah oui, ils ont réfléchi au truc pour... C'est ce que je disais un petit peu, hein, d'avoir des batailles dans la... Chacun aura un rôle particulier, c'est ce que je disais en fait. Non, ce qu'ils veulent dire, c'est que plutôt que d'avoir un... Même si c'est des grandes maps, il va y avoir des zones de combat en fait. D'accord, ouais. Des clusters. Maintenant, imagine, tu viens d'aller dans le stade, tu viens de gagner ton combat dans le stade, et maintenant tu sors du stade, tu viens de gagner. Ok, tu regardes la map, où est-ce que je dois aller maintenant? Ok,
Je vais coller le véhicule parce que maintenant les véhicules s'appellent avec un ne spawn pas. Tu les calls en fait. C'est pour ça qu'on les a vus avec le parachute qui sont parachutés en fait. Donc hop là j'ai fini le stadium et je vais rentrer dans le tank et après je vais aller à un autre endroit, un autre cluster. But then also having different types of gameplay in these. And in between these spaces as well, you have vast open landscape on the Hourglass map, for example, the rolling sand. Donc dans Hourglass, il y a plusieurs clusters avec plusieurs styles de gameplay. Par exemple, si tu as envie de faire du CQB dans les bâtiments, tu vas faire du CQB dans les bâtiments, de la grande range, grande range. Mais entre les deux, forcément, il y a quand même des trucs à faire aussi, quoi. Of our maps that is built for the infantry and vehicle mix. Donc la plupart des maps sont construites pour du CQB mais aussi pour des véhicules. Par exemple, il va y avoir des villages. Donc ce qui va être sympa pour les infanteries au centre de la map par exemple, on a une grosse intersection ici avec beaucoup de véhicules forcément qui ont été abandonnés etc. avec beaucoup de long range. And with the level design in order to really donc avec le level designer, le but du jeu c'était de faire vraiment ce genre de truc de cluster où tout le monde en fait pourrait être content et s'y retrouver, les joueurs de véhicules, les joueurs infanterie, CQB. On en parlait plus tôt de justement de ce clustering. J'en prends pas une. Railway, we were chatting about earlier on, and Sinai Desert with the village that you kind of have there as well. Perfect example. This where a lot of that kind of. Tu parlais par exemple de ce village. Est-ce qu'on peut en parler? A couple of years ago with those games. But now we're taking that concept and we're taking it to. On pouvait pas prendre l'exemple des concepts qu'on a fait par le passé. Maintenant c'est vraiment des nouveaux concepts. C'était vraiment cool pour nous. D'essayer ces nouveaux setups, ces nouveaux trucs. Mais maintenant, c'est important de rappeler que avec Conquest, ça va être cool. Parce que maintenant, il y a vraiment cette possibilité. Voilà, j'ai besoin d'un véhicule. J'ai un véhicule. Si j'ai besoin de changer d'arme, est-ce que je peux changer d'arme on the fly? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de respawn. C'est ça. Je vais aller me battre là-bas. J'ai envie du CQB. Je vais aller au stadium. J'ai envie d'aller de prendre un véhicule, je vais le faire spawn. Et je trouve cette feature très intéressante. Et c'est ce qu'on avait vu in-game, tu pouvais changer effectivement ton équipement également. Donc là, l'idée, c'est par exemple, tu vas aller dans le stade, ça va être la merde, ça va péter, après, tu viens de gagner ton stade, et derrière, tu vas justement passer à un autre truc où le pacing, c'est-à-dire le rythme, va parfois accélérer ou ralentir entre certaines zones et entre certains clusters. Donc, le breakthrough, c'est le concept d'aller dans ce voyage au centre, enfin, sur la map, avec différents clusters, différentes zones. C'est un vrai voyage. Il n'y a pas le risque que les mecs en aviation viennent sur un cluster genre le stade? Non, bah non. Enfin, oui, mais bon, le stade, après, à l'intérieur du stade, si pour le caper, faut être dedans, toi. C'est super. Beaucoup de fans de Battlefield ont été très excités par tout le reveal que vous avez fait la semaine dernière. Ils sont super excités par les changements et avec beaucoup de nouveaux joueurs qui vont arriver et qui vont être excités aussi par la première fois qu'ils vont jouer à Battlefield. Yeah, I mean, AI has been one of those things that we've been kind of, you know, cooking back at dice for many years. And Battlefield 2042 is kind of the perfect timing with next-gen tech to introduce it. So in Battlefield 2042, you can actually kick off the game and play solo with AI squad members on a whole big team. OK, donc il n'y a pas de campagne, mais il y a une grosse intelligence artificielle. En gros, ils ont mis des bots. Donc tu peux partir sur des maps avec des bots et où l'intelligence artificielle est vraiment sexy.
It's just a really good way for us to onboard new players, but even in regions where sometimes we don't have enough players online. C'est vraiment aussi une bonne méthode pour nous de compléter les serveurs. Les serveurs pourront être complétés par des bots parce que il faut l'admettre, sur certains endroits de la planète, nos serveurs ne sont pas forcément pleins, quoi. C'est pas forcément c'est très bien ça. So like when we give these pass references to some of our older maps, which are quite big, now we're at 128. Comment sont les maps en termes de taille? Quel est le ratio de pourcentage d'augmentation? Il y a pas un nombre général pour dire c'est deux fois plus grand, trois fois plus grand. Same, kind of staying true to the formula Battlefield in the sense that some maps are smaller than others. Certaines maps sont plus petites que d'autres, mais en gros, quasiment tout a augmenté en taille. Mais il n'y a pas de nombre fait qui dit c'est deux fois ou 1,7 fois plus grand, quoi. Ouais, c'est ce qu'on voit là dans les Smaller than Hourglass, for example, is Hourglass, one of the bigger ones we have. It's, I think it's the second biggest one. C'est la deuxième plus grande. Which is the biggest one we built, and I think that was. Elle a la main. Oh mon dieu, putain, elle était tellement exceptionnelle sur des arbres. C'est assez insane. Elle est vraiment grande. Mais par exemple dans cette map, we will have the same mentality of the like the clustering. So if you want, on aura le cluster. The example you gave, Freeman, with. Par exemple, l'exemple que tu lui as donné. Avec. If you go into reversible, there is a place there called the reversible, the oil port, which is a, yeah. Old really port. Big, donc un ancien port. Industrial space with silos, non. Il y a un endroit industriel sur lequel tu peux aller, par exemple. Different types of industrial buildings and stuff where you can still get that really high octane battle. And over to the side, there's also a big oil rig, which has a lot of close quarter combat. So, je fais un résumé dedans. Of choosing where you want to fight in this. En fait, ça dépendra. Battle. Pareil, il dit exactement la même chose. En fonction de du style que tu veux donner à ton gameplay, tu vas choisir les zones et les clusters qui sont intéressantes sur chacune des maps, quoi. Là, il donnait un exemple avec un endroit de la map qui est si tu as envie de faire du CQB, si tu as envie de faire du snipe, si tu as envie de faire machin. Bon, c'était toujours la même logique sur les anciens Battlefield, sauf sur des maps comme celle auxquelles on vient de jouer qui n'étaient pas vraiment. Moi je suis un grand fan de Shanghai, donc celle-là c'est un peu Shanghai sous astéroïde. Ouais, ce que dire, elle ressemble beaucoup à Shanghai. Hein. Moi j'adore les trucs. On a fait les ziplines maintenant, c'est vraiment un truc de ouf. Je kiffe énormément. J'adore les settings urbains. Heat feeling when you're running on the city streets and ducking behind cars. Ils font exprès de pas montrer de nouveaux gameplays dans les films. They just break in fun ways, so they're awesome to hide behind. And of course, you know, having multiple skyscrapers, having, you know, là, le fait d'avoir énormément plein de skyscrapers, des penthouses, et on peut aller avec un zip, avec une zipline, c'est vraiment cool pour aller récupérer le bâtiment d'à côté. Moi, j'aime le Hourglass, j'aime le stadium, j'aime la ville, j'aime le village, j'aime le milieu, j'aime le lien qu'il y a dans cette map. Il y a énormément de variété dans Hourglass. But yeah, no, that we'll have to say that one. I don't know, maybe. Ah non, j'ai pas envie de dire celle-là en fait. Non, peut-être orbital en fait. There's this like perfect space you can stand on and like to see the rocket. Hopefully, no one shoots you. Ah, on lui demandait quelle était sa meilleure map. Quite spectacular. Yeah, that's a favorite. Right? Is it? That is definitely a favorite. I like it a lot. Je pense que c'est l'une de mes favoris. J'adore le départ de la roquette. C'est génial ça. Les animations comme ça. For building to building to building. J'aime bien, on peut aller de building en building en building. You have the launch site. Tu as le launch site, tu as le site de lancement, mais de l'autre côté, il y a les montagnes, un ground facility, un complexe de je sais pas quoi. Si tu veux, tu peux marcher entre les tunnels, mais il y a aussi un énorme tunnel qui passe en dessus. Marcher au-dessus des montagnes, mais il y a un énorme tunnel qui passe en dessous, pardon. And we get into a transport vehicle and we hop in and we on peut aussi prendre les véhicules de transport et let's go entre les montagnes et le launchpad. Là, il est en train de raconter une anecdote. Ouais, il est en train de rouler avec sa Jeep et là il arrive avec deux tanks en face. Il y a beaucoup de moments cool. C'est vraiment difficile pour moi de choisir quelle est ma map préférée. Je pose cette question à tout le monde.
It's always the same every week because we get to play test. C'est toujours la même chose toutes les semaines. All of the different maps. Every week we discover something new. Toutes les semaines on découvre un truc nouveau. C'est vraiment trop cool. Of these maps though, of course, they're more than just maps. They're toutes ces maps, c'est plus que des maps. Nature of them. We've obviously took a lot of inspiration from our past. Looked, you know, now very much. On a pris énormément d'inspiration par rapport aux opus passés. The upgrades that we've done on all our engines. These worlds are a lot more dynamic now, Oscar. Yeah, I mean, maintenant il y a un truc qui est beaucoup plus. Enfin, il va falloir parler du dynamisme parce que c'est beaucoup plus dynamique quand même sur les nouvelles maps de BF 2042. Maybe it was Daniel, maybe it was someone else from the design team said like, wouldn't it be cool? Est-ce que ce serait pas cool un énorme time tornado, une énorme tornade. Regardez l'animation des trucs. Et quand on leur a demandé si on pouvait faire ça, l'équipe technique était en train de était en mode non, c'est mort. And I remember us showing it to other team members like, okay, but that's pre-rendered, right? It just has to be fake. Can't look that like that. And we were like, yep, it works. And I think, you know, it started with, you know, being a thing that would run like spectacle on the maps in massive ways. But now it's kind of one of the core gameplay drivers as well. I mean, you can actually use those, that big tornado to your advantage, especially. Là, c'est vraiment sympa parce qu'au début, il y avait le truc très cool d'avoir tous les débris qui volaient partout, etc. Mais maintenant, en fait, c'est une partie du gameplay, en fait, puisque maintenant, tu peux rentrer dans la tornade, tu peux tourner autour de la tornade, etc. Ouais, ça fait partie. Physics are fun. La tornade, ce qui était cool, c'était que les physics dans un jeu, c'est sympa. Physics entity is moving across the map and you don't know where it's going to go. It doesn't go in the same path every time. Le côté cool de la tornade, c'est que elle ne choisit pas le même elle est imprévisible. Elle ne prendra pas toujours les mêmes routes en fait. C'est procédural quoi. In the event where I'm just like I'm running that was on orbital. And I was running from the rocket towards the rocket. Encore une anecdote. Across that big open space, and of course I was stupid. J'ai fait ça. Étant donné que je suis développeur, donc je travaille dans l'équipe, bah forcément je pue la merde, comme tous les jeux, voilà, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et là il y avait un sniper ou je sais pas quoi, et j'ai pris un one tap. Il a insulté ma daronne. Je l'ai viré de l'équipe. Donc je l'ai kick ban parce que bah je suis développeur, ce petit fils de pute. Je me suis rendu compte qu'il avait 11 ans et il tournait comme ça, et hop. Et son cousin est arrivé chez WAM. Non, ça, c'est une anecdote, ça rien. Je vais pas traduire ça. Into a sandbox environment. So I think it's such a great addition to the sandbox, and that's really what we want with 2042 in its essence. You know, infuse the game with lots of new tools, and you know, the tools that are modern, that are. On voulait vraiment faire ça avec des nouveaux outils, cette tornade, la physique. On voulait vraiment s'amuser avec ce genre de trucs-là et de faire des trucs assez sexy. Et je pense que c'est la sauce secrète, la recette secrète de la réussite de Battlefield, que Battlefield sera. On avait ça dans Battlefield 4 avant. Hey, I'm holding this checkpoint. And okay, I see je suis en train de. Breakthrough, for example. Attends, I see there's tanks coming at us. It's like, oh, I'm gonna raise the bollards. So they would have to have a teammate actually leave the tank or have someone else. Ah oui, on avait ça sur les trucs de Battlefield 2040, Battlefield 4, et on va refaire exactement la même chose. Parfois, on fait des petites activations qui sont casse-couilles. Par exemple, les béliers, les porte-béliers sur Shanghai, où de temps en temps tu appuies sur le bouton, ou dans le. Là, il y a des ponts que tu peux lever et baisser. Il y avait les béliers, tu sais, à l'entrée des ponts sur Shanghai, où les tanks, en fait, pouvaient pas passer si le bélier était pas baissé. Les trucs anti-béliers, quoi. Like you can les bits là, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, there's an attack coming. Oh, I'm gonna, you know, I'm gonna raise the bridge, so now their vehicles can't actually. Voilà, maintenant, bah là c'est la même chose. On a des, on a ce genre de truc là avec des ponts qui se lèvent, etc. Donc on a gardé ça quand même, des ponts qui se lèvent, ce genre de truc là qui vont bloquer les tanks, qui obligent le mec dans le char d'assaut à sortir de son tank pour aller baisser le pont pour pouvoir prendre le truc. For 2042, the biggest of which that people have been chatting about is specialists. Le
le plus gros des changements dont il faut qu'on parle, c'est forcément les spécialistes. Avant, il y avait les rôles et maintenant, comment est-ce que les spécialistes arrivent dans PF 2042? On ne savait pas trop quoi faire. Enfin, on a pris du temps à prendre la décision d'aller avec les spécialistes. On a eu des data, des feedbacks qui sont arrivés. Il y avait une data qui nous disait que beaucoup de joueurs nous disaient que meaning you didn't choose necessarily a recon because of the gadgetry, but you actually chose a recon because you got the bolt action sniper rifles. Voilà. En gros, tu choisissais certaines personnes par rapport à leurs armes et pas vraiment par rapport au fait que ce soit un recon. Voilà. We wanted to bring the game into a space that when you choose which specialist to play with, you go like, okay, I want to play this particular role. So what we've done is that basically. Non, là on voulait en fait un truc par rapport aux classes où en fait. Voilà. Là on avait les classes avant que les gens ne jouaient pas vraiment pour les classes mais pour l'arme qu'elle laissait disponible. That has a gameplay role that is a recon gameplay role. But what we're also doing to kind of to bring this even further in terms of unlocking the sandbox is that we're saying that take Casper for example, he is a recon type of specialist. His particular il est en train de citer un des bonhommes là qui dit que c'est il est quand même lui assez recon. Il a ses gadgets, c'est un drone. Casper, il peut prendre un shotgun, mais il peut quand même prendre un snipe. Il peut prendre ce qu'il veut, en arme. Il n'est pas obligé d'être un recon snipe, en fait. Non, tu peux prendre le recon drone avec du C4. On s'est éloigné de ce qu'il y avait avant. On voyait par exemple en fait le problème avec les anciens BF, etc. C'était que en fonction des véhicules, de l'absence ou de la présence de véhicules, on voyait une seule classe qui était prise et pas les autres. Genre, si c'est que du CQB dans Locker, tout le monde est médic et s'il y a beaucoup de véhicules, tout le monde est ingé, quoi. En gros. On a Falk, Mickey, Boris. Est-ce que vous avez un favori? Non, j'en ai aucune idée. The grappling hook with Mickey helps a whole lot, but there's something special right with Falk as well. You know, getting the opportunity to revive teammates, you know, from afar. La possibilité de revive un teammate. Merci Doc. Je vais me faire ban. Je vais me faire ban, je pense. Je vais mettre parce qu'il. Parce que je l'ai mis dans le chat à droite. Je sais pas si t'as mis le chat sur la conversation. Parce qu'il est en train de il est en train de définir Doc de Rainbow Six quoi. Il kiffe en fait le fait de pouvoir revive un mec à distance comme Doc quoi. Supports the teammates through, you know, ammo distribution, or through reviving or healing. So there's multiple characters within the support category. Maintenant, en fait, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de spécialistes qui sont des supports. On va avoir le support qui heal, le support qui donne des ammo. Elle peut healer à distance. Elle peut revive à distance. Has a particular trait, a combat surgeon, which means that when she does revive you, she brings you back to full health. Quand elle te revive, t'es en full vie. They won't bring you back to full health, so it really leans into that particular role even stronger. Wow. Ouais, c'est clair que ça va être très strong. Boris, lui c'est un rôle engineer. Yeah, for sure. So Boris is a really cool. Boris, c'est un mec vraiment cool. Il a la tourelle. Gadget, and this is a sensor system that Boris can place down. And it will acquire il le met tout seul et ça acquire les targets tout seul. Ça lock tout seul. En revanche, le truc, c'est que la tourelle, il est obligé d'être à côté. Il est obligé d'être à proximité de cette tourelle. Un peu comme Overwatch, j'ai l'impression, non? Pas mal. Non, je sais pas. Dans une range, il faut qu'elle se déclenche peut-être. Je sais pas si c'est ça ou s'il peut la heal en fait. Je sais pas. With his recon Attends. Drone, because the recon drone can also fire darts of EMP. Alors, so le truc, c'est que, oui, c'est vrai que his recon drone shoot darts at the la tourelle. Par exemple, on garde la logique aussi qu'une classe A nique une classe B qui nique une classe D. Par exemple, le recon drone peut tirer des EMP qui va exploser cette tourelle, en fait. Des EMP qui va la désactiver. Il a des darts, des fléchettes de EMP, en fait, le drone. But let's talk about the weapons.
Parlons des armes. On a beaucoup d'armes. But there's a very significant gameplay change that we kind of lightly touched on earlier on. People would have seen it for the first time during our gameplay reveal. L'autre jour, ils ont vu pour la première fois de gameplay reveal. Oui, complètement. This is huge. Mais le fait de changer le truc on the mine, on the fly, à la volée. Ça c'est génial. Already from a conceptual state when it was on paper and just did, you know, conceptual markups of it, it was just like, ooh, this is pretty sweet. Au début, c'était un concept, game, et puis on s'est dit, putain, c'est sexy, en fait. Et après, on l'ajoutait dans le jeu. Ça a mis du temps, en gros. Non, ça n'a pas mis du temps, justement. Avec eux, là on a eu le truc, on a trouvé que c'était sexy, on l'a testé, et il n'y a pas eu de problème. Tout de suite, on s'est dit, ok, c'est génial. On ressent presque le fait que ça a toujours été là, quoi. Et c'est là qu'on se dit, putain, on aurait dû le faire il y a hyper longtemps, en fait. En gros, l'idée, c'est que tu es en train de courir et il y a un moment où tu te trouves dans une situation où tu ne t'attendais pas à ça. Merde, comment est-ce que je peux essayer de counter le truc qui est en face de moi? Je vais pas respawn pour récupérer mon arme parce que j'ai un mec en face de moi dans une situation particulière. Mais là, je vais m'adapter, en fait. Je vais changer le scope, je vais changer le ammo type. Là, on peut changer les munitions. C'est trop bien. On peut changer tout ce qui est le laser, le silencieux, pas de silencieux, etc. J'ai pas besoin de respawn. SMG and turn it into a sniper rifle. On ne peut pas avoir non plus une SMG qui peut être tournée en sniper rifle. On ne va quand même pas faire comme certains éditeurs qui vont mettre des ACOG sur des SMG 11. C'est ce qu'il a dit. Non, c'est vrai. Du coup, ma blague, j'ai perdu le thread. There's a red thread that goes through the whole game. Kind of then we decided this early on in the game vision, right? This notion of like adaptability for players, exactly. Given like everything that's happening on the battlefield, we need to give the players, you know, the optimal amount of choices in real time. So the plus menu is an example of that. Il est trop beau, lui. Si j'étais une meuf ou même un mec d'ailleurs. Vehicles, kind of mais sors du closet, mec. Hein. Va falloir. Il y a un moment, il va falloir que t'avoues ton homosexualité. Là, j'ai deux doigts de passer. Du côté obscur de la force ou du côté. Du côté obscur, tout court. Ok, allez, bam, toutes les associations sur le dos. Bravo. Bah non, au contraire, je suis en train de faire mon coming out. Bah vas-y, ben fais-le. Tu veux que je baisse le son ou pas? Non, ça if va. You don't have okay. A car being flung by a tornado for you. But that's a good thing, though. That's a good thing, but that doesn't happen every time. It's like if you see, okay. This happens now in the playtest, by the way. Il est en train de parler d'une anecdote encore. S'il y a un sniper sur la montagne, il y a un moment. Il y avait deux tanks. Ta gueule. You can't come far, but if you're within a certain range, you can actually call in a tank that lands on them. So it's a good way to take okay. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est que maintenant, si t'es dans une certaine range, tu peux tuer un sniper rifle qui est un sniper qui est dans les montagnes en train de faire chier. Tu peux call un tank sur sa tronche, en fait. Voilà. Le tank arrive et le but. Super. And then we have the bucket of open gadgetry, and the open gadgetry bucket is very varied and diverse, and it means that you can stick with a specialist and still, you know, ok, donc on a un peu dans une logique de Rainbow Six, on a parlé des spécialistes, on a parlé des armes, mais il y a aussi des gadgets additionnels, donc des trucs secondaires là, on peut des gadgetry, des gadgets. Ouais. Bah, même si je joue ce mec-là, et je suis un healer, mais je peux très bien être un healer dans une situation de combat, et même dans un véhicule, ce sera toujours, je serai toujours efficace parce que je peux prendre des gadgets secondaires qui vont avec mon style de gameplay. Genre, je sais pas, des grenades, des EMP, je sais pas quoi. Des clés morts. The way in which we approach vehicles, because parlons des véhicules. Vehicles are a means to an end. You get in them, you fly from one point to another. We've tried to focus more on what it is that all people are doing in a vehicle when you're actually using them. Yeah, there was a notion in the beginning of the product where we said we want vehicles to be platforms for team play. So we wanted to be enablers of great team play, and they've been so in the past, I think, but we just kind of touched upon it. So we're taking it further now with 2042, and that means that these different seats in a vehicle
Has significantly more roles available. Ok, la plupart du temps maintenant dans les véhicules, en fait, quand on va prendre dans un véhicule, ils auront beaucoup plus de rôles qu'avant. C'est des plateformes de gameplay, alors qu'avant c'était plutôt des transports de troupes, en fait. Par exemple, maintenant dans le tank, je peux me mettre à côté et je peux être un spotter qui peut m'aider, tu vois. Oh, c'est bien ça. Par exemple, il y a un truc avec... une tourelle 360. Qui existait, c'était pas celle qui était sur le bateau d'ailleurs, celle dont il parle là, le minigun qu'on trouve sur les porte-avions. Je sais pas du tout. Je pense pas que ça soit une 360 minigun. T'en as une là sur Parcel Storm justement. Yeah, maybe. I mean, we given qui existe vraiment en plus sur les portables. We got a new physics, you know, sub engine as part of that. So I think that the like the level of skill that's now in the vehicles, just kind of driving the transport vehicles, controlling the tanks, it's really cool. It's a level of kind of, you know, physicality we haven't had in our previous games, and a level of control that's, you know, completely new. It just feels better to maneuver and better to drive, and it's just. Ça, c'est beaucoup plus facile de conduire les véhicules maintenant que par le passé. C'est aussi cool d'en sauter. Des véhicules. When you're playing Battlefield, even if you're not a vehicle player, même si vous jouez si vous jouez à Battlefield et vous n'êtes pas un véhicule player, un joueur de véhicule, si vous allez sur Orbital par exemple, à un moment vous allez à la roquette, just seeing two transport vehicles, you know, vous voyez deux véhicules de transport là qui arrivent et qui sont en train de se tirer dessus. And that's also the je comprends pas. Those things we call battlefield moments. They're sometimes they're big bon. And they're bombastic. C'est un peu but pas bullshit, mais bon, that c'est un moment peu. Happen in front of you. It looks like it's a scripted moment almost, but it's two players just ducking it out in two vehicles. Having that, it's just voilà, là c'est extrêmement situationnel ce qu'il dit. That you only get in Battlefield basically. And it okay. Really does make all the difference in the world when you're rising out above the stadium on Hourglass and you're looking out across the distance to just see jets and tanks just all over the place. It's great for Battlefield players who've been playing this franchise for a long time. Oh yeah, for sure. But we really are just scratching the surface here. There's so much more to tell you. Il y a tellement de choses à vous dire. Le 22 juillet, on vous montrera ce qui arrivera dans 2042. And we're keeping pretty tight-lipped on both of these experiences so far. But what can we tell people about Hazard Zone? What can they expect from it? Qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a jamais été dit, qui n'a pas été dit? Something that's taking kind of the superpowers of DICE, the Battlefield formula, to a new level. It's a high-stakes squad-based experience. It's not your battle royale that you might be expecting. It's something new, and a bit more contemporary. Pas de battle royale. But I think it is important to. Ah, il fait une petite blague par rapport au battle royale. It's something that we're building for Battlefield. It's something that we're building that is ours. But it is really built on those mechanics, those high-stakes mechanics that really builds tension as you play and gets you like, you know, those sweaty palms moments when you're just like, but it's also then, you know, combined with squad play. I mean, we are a squad-based team play shooter. Mm-hmm. And I'd say there's no other space within 2042 where the choices you make in terms of what I choose to bring and what my friends choose to bring, what specialist is my friend playing, what weapon is c'est intéressant, mais bon, c'est quand même parler de ce qui existe déjà, quoi. Il n'y a pas de nouveauté, ils ne font qu'un récap, plus une discussion autour de l'existant, de ce qu'on a vu, à savoir, au final, très peu, mais bon, ce qui est logique. Donc là, ils disent quoi, en gros, sur les squads rien, ils sont... Non, c'est vraiment du... un peu, je ne vais pas mentir, mais c'est un peu du blabla marketing par rapport à ce qui a été dit, en fait. Ils ne font que... D'accord, ok. On parle de live service. What are we saying so far? So, most importantly, we want to make sure that we take the best of the learnings we've had from the likes of, say, Battlefield 5, where we can keep all our players together. Yeah, I mean, that was a big, big decision we made really early on in the project. We don't want to split our community in any way when it comes to gameplay content. So all of the new locations we'll head out to in part of the live service,
you know, free for everyone as part of that. And then we are introducing a battle pass as part of our seasons. We've announced four seasons as part of the first year. Every season will also come with a specialist. Toutes les saisons viendront avec un spécialiste. Tiers, le Battle Pass, il y a un truc gratuit et un truc payant. Ils suivent un peu le modèle R6 hein, avec les 4 nouveaux spécialistes chaque saison. We'll have plenty more to say on that before we launch the game. But stick around. We're going to take another look at our gameplay trailer that we debuted this past week at the Xbox Showcase. And OK, c'est fini, je pense. We'll be back with more of the gang from across DICE to chat some more about Battlefield 2042. Ah non, il parle après de 2042, encore un petit peu. Donc là, ils vont mettre le gameplay qu'on a vu pendant la Xbox, la conférence. De... Donc un nouveau camp. Moi, la question que je me pose, c'est... Il le conçoit pour combien d'années, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Est-ce que derrière, il y a le risque... Je pense qu'il y aura rien de nouveau aujourd'hui. Ouais. Parce que moi, j'ai peur d'un truc, c'est qu'il repasse un Battlefield derrière qui vient casser la hype dessus. Enfin, je pense pas... Je pense pas que le prochain, ce sera un moderne, en fait. C'est propre par contre. Donc c'est ça le système de drop de tank qu'on a vu là avec. Ouais ouais ouais, tu colles les tanks en fait. Après dans quelle limite, je sais pas. Je sais pas. T'as vu comment mais ça doit se tirer en plus, ça doit être horrible. Ouais. Ah, c'est ce qu'on peut voir, le petit truc in-game, c'est assez génial ça. Ça c'est une feature que j'apprécie beaucoup. Je sais pas si ça va être extrêmement utile au final. C'est toujours pratique. Moi je sais qu'en tant que sniper, des fois c'était agréable quand t'es en close combat de changer d'ACOG, de repasser au silencieux, de... Enfin si... Ça va pas être surutilisé, mais ça va être pratique, tu vois. Et l'aim des développeurs est... Ça par contre, le passage à la troisième personne quand tu passes en truc, c'est génial. Et le je sais pas si tu auras la possibilité de rester à la première. Oh, le truc qui up, c'est génial. Et le truc intéressant, c'est comme il disait, tu pourras vraiment jouer avec la tempête, quoi, entre guillemets. Ignition. Ça, c'est le genre de petit truc que j'adore quand la map est animée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Faire des grosses animations. Alright, motherfuckers. I don't think I'm ever going to get bored of watching that trailer. But welcome back, folks. As promised. All right, Mary Poppins. Qui nous appelle les renards? Mary fucking Poppins. Mary Poppins, étant donné que je sais que t'as envie de travailler ton anglais, eh bien. Ouais, il faut que j'y aille, ouais. Faut que je décolle, machin. Non, bah non, après, il y a France-Allemagne. Faut que je passe. Et faut que je prenne une douche dans les toilettes du campus de la Salty Academy. Oui, c'est ta pute qui est arrivée. Ouais, ouais, bah oui, bah ouais. Et tu veux dire bonjour à ta mère ou pas? Et donc, après, faut que j'aille chercher ma perruque bleu, blanc, rouge. Et voilà, et plein de trucs, ok? Tu vas voir avec des potes? Non, j'ai pas d'amis. Non, je vais me mettre. Je vais faire ça. Je vais arriver, je vais prendre une douche et après, je vais appuyer sur ce bouton-là. Et derrière, je vais me mettre sur mon grand écran. Et là, je vais être nickel. Ça marche. Et ce sera parfait. Hein? Ok, ça marche. Bon, je te fais des bisous, poulet. Des bisous. Allez, bisous tout le monde. Je vais vous traduire. Ciao. Ouais, good luck. Alright, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous l'avez compris, ça va être sur ce que l'on va s'arrêter. Il faut que j'aille me préparer pour le match de ce soir parce que je joue. Non, je rigole. Mais j'ai pas mal de trucs. Je vous avais dit, je commencerai un petit peu plus tôt.
Pour terminer, ce sera plus court que d'habitude, puisque, eh bien, voilà, France, Allemagne, Euro, tout ça, oblige, quoi. Au moins pour la France. Alright. Du coup, en plus, j'ai peu dormi cette nuit. Donc, on se retrouve demain sur le campus de la Salty Academy. On partira sûrement sur je sais pas quoi. Le Youngtis Royal, qui s'appellera Youngtis Royal, sera bientôt lancé aussi, n'oubliez pas. Donc, ça, on en reparle très prochainement. Du coup, puisqu'on n'a pas le go avec le partenaire avec lequel on avait souhaité partir. Donc, je pense qu'on va essayer de le lancer le plus rapidement possible pour avoir une bonne dose de Rainbow Six sur le mois, à mon avis, de juin-juillet, en tout cas. Parce qu'après, bah, y a du lourd, forcément. Il y a Battlefield 2042 qui arrive. Au mois d'octobre, il y aura pas mal de trucs qui vont arriver. Il y a Back 4 Blood, etc., etc. Donc, quitte à faire du Rainbow Six, autant le faire sur le mois de juillet. Alright, motherfuckers! J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'envoie, comme à mon habitude, le son qui marque la fin sur le campus de cette Salty Academy. Et je disparais de vos écrans. Et une fois de plus, j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. À savoir les donateurs, surveillants, cheerers, hosts, membres du Salty Fan Club, nouveaux et anciens étudiants du campus de cette Salty Academy, les gens qui vont sur YouTube en faisant plein point d'exclamation YT et permettent donc de payer les monteurs simplement. Et bref, au final, toutes les personnes qui font que la Salty Academy ira to the fucking top. Et d'ici à demain, si tout va bien. D'ici à demain, n'oubliez pas de faire point d'exclamation Twitter ou point d'exclamation Facebook pour les plus vieux d'entre vous. Et surtout, n'oubliez jamais que certes, on est salty, oui, mais...